16e, voilà, non, non c'est bien comme ça. Tac 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 tac. Sens critique, jeux vidéo, les enquêtes de Nancy Drew, la malédiction de Manon. Ah bien! Oui, hydraté, bois un coup, tu as raison, merci Erika. Alors c'est peut-être pas très hygiénique ce que j'ai fait. Rassurez-vous, ce n'est pas une deuxième bière. C'est le mec qui devient alcoolique en direct, ce serait horrible. Mais j'ai. Je me dis, comme c'est un gros contenant d'un tiers un litre, j'ai re-rempli de sirop ma canette d'hier soir. Mais je suis pas sûr que ce soit une bonne chose à faire. D'un point de vue hygiénique. Burp, burp. Bonjour. Coucou Dragon Sky! Dragon de Lorraine, enfin, je vais t'appeler Dragon, ce sera plus simple. C'est le mot qui est resté dans ton pseudo de fixe. Oui. Ah. Coucou tout le monde, bonjour Torota, bonjour les garçons. Ah, alors attendez, est-ce que vos volumes sont équilibrés à la voix? Que j'inspecte tout ça. Non, vous êtes tous les deux à 100%. N'hésitez pas à me faire la remarque hein, dans le public. Si vous trouvez que ma balance de son n'est pas équilibrée. Et bonjour Torota. Et bonjour Greg, comment vas-tu? Je vais bien. C'est cool. Alors, tu vas lancer le sage, mais il y a déjà des petits trucs dès le début. Ah, Tu des petits trucs. cliqueras sur la tête de chat. Quand tu le verras. La tête du chat. Avant de voir le tableau Stardew Valley, nouveau chargé, pop, tout ça, tu sais, tu as la tête de chat avec des écritures juste à côté et tu cliques sur la tête du chat. Il y a un chien déjà. Le chien ou Ah! le chat, peu importe. Oui, effectivement, il y a des éléments. C'est du génie. Il y a des interactions, oui. Et clique sur le E du Stardew Valley. Sur le quoi? Attendez. Oh là, Le je vais trop vite, effectivement. Clique sur le quoi? E du Stardew. Ah, mais tu vas. Ok. Ça? Ah ouais. Bah, je toque dessus, mais il se passe rien. Il y a un son? Plusieurs fois, t'inquiète pas. Je l'ai Ah! plusieurs fois. Oui, les outlets ne réagissent pas. Ok, c'est Roswell. Il y a quoi d'autre? Ah, il y a les feuilles aussi. Oh, c'est beau. Ah, il y a les Juminos. Du Unanimous. C'est beau. Oh là là, Roswell de Nancy, ouais, c'est ça. Oh, c'est beau. C'est malin, hein. Moi j'avais découvert la lune au moment d'une transition de journée. Les nuages, les nuages. On clique partout. C'est le mec qui est pris de frénésie, il clique partout. Mais c'est malin d'avoir fait ça, c'est beau. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai récolté un truc. Eh, j'ai récolté quelque chose en cliquant dans l'angle. Ah. Tu as le clou du W en bas à droite. En bas à droite. En bas à droite Oh, du c'est W. super précis! Ah ouais. Il fait 12 pixels, 4 sur 4 le clou, il faut arrêter. Oh les beaux papillons! Joli papillon de mayonnaise. Alors si toi aussi tu as toujours rêvé de démonter l'écran titre en direct, cet instant est pour toi. Aïe aïe aïe. Oh ce jeu! Ah! C'est merveilleux. Bon, allez, cop. Mais j'ai gagné un truc. Je sens que le curseur modifié va me poursuivre. Alors, Bah là, moi j'ai regardez. deux options, ouais, rejoindre le Jordan ou rentrer le code d'invitation. C'est le code d'invitation qu'il faut Ouais, alors rentrer. attendez, je vais vous redonner le code, les copains. Bougez pas. Ne bougez pas. Dans quelques instants. Et bouge pas. Oh, tu ne sais qui dit, tu veux voir ma lune.
Oh. Oh. 60 heures de partie. Cumuler, c'est possible. Oui, cumuler, c'est possible. Parce que j'avais démarré avec Olive qui tue il y a 2 ans. Entre-temps, j'ai fait des tests de partie de mon côté sans que vous l'ayez vu en direct. Donc ouais, j'ai peut-être cumulé 60 heures, ouais. Sans parler que j'ai dû laisser comme un ego, tu sais, j'avais déjà expliqué le compteur Twitch qui est accessoire. Je démarre la partie en me disant je pense que je vais jouer. Donc je charge le jeu préalablement et je laisse le menu. Je pars faire autre chose vie réelle et je reviens après, donc le compteur tourne. Et souvent j'ai bêtement, on va dire artificiellement, gonflé mes stats de cette manière accidentelle. C'est pas souhaité, hein, je m'en contre-moque pour parler poliment, mais. Alors, le code multijoueur. Code invitation. Hop, je vous le mets dans le chat pour ceux qui veulent rejoindre. Voilà. Allez-y, les copains. Oh, j'ai 338 de points d'énergie. Ouais. Ouais. Alors, non, j'ai la manette. Oui, voilà. Oui, merci. Hop, C'est cool. clavier souris de mon côté. Ah non, moi je joue manette, moi j'aime bien manette. Mais chacun fait comme il lui Après, plaît. je fais quoi? Parce que je vais à Torotan, à Yone, nouveau fermier, c'est ça? Oui, je pense que nouveau fermier, ouais, faut que tu crées un personnage pour me rejoindre. Ouais, je Mais bon, pense. ok. Je pense que le jeu te l'oblige. Ah ouais. Voilà, fermier sans nom, Dragon Sky a rejoint la partie. Dragon Sky, Non chicken mais. shit. Non mais, non, ça commence pas. Je suis. Qu'est-ce qu'il y a? Je T'as un suis bug? coincé dans mon lit. Sérieux? What? Est-ce que je peux venir te voir coincé dans ton plumard? Ah Attends. bon, mais si tu veux, là, je suis. Quel toit? Ah ouais, tu Allez. sais plus, t'es dans la verte, dans la rouge ou dans la grise? C'est celle qui la première du haut. Ah! Je te vois. Mais non, mais non, mais non! Oh là, mon Dieu. Ah, j'ai un mini bac d'expédition. Ah. Ah ouais, t'es bloqué dans ton plumard. Attends, je peux pas te déplacer. Ah, vous pouvez pas déplacer le lit dans la maison d'un autre joueur. Alors, essaye de déplacer ton lit, Torota, si tu peux. Non, je peux pas. J'ai une machine à coudre. Ah, c'est ballot. Ah, t'as une machine à coudre. J'ai pas le droit de déplacer ton lit. Je suis désolé, je peux pas te sauver. C'est pas grave. Je la mets Bon. dans la maison, la machine à coudre. Mais ça commence bien. Ah oui, ça commence très fort. Bon, Bon, mais je vais. je suis rassuré en me disant que Dragon a ses repères, il connaît bien le jeu. Hey, coucou! Ouais, stylé! Voilà, la tenue! Originale, hein. Au moins, j'aime bien, il y a de la recherche dans ton perso. Je vais Oui, j'ai choisi au quitter. pif, hein, de toute façon. Hein. Ah bah, le pif fait bien les choses. Ah, attends, je récupère un crustacé, du bois. Ah oui, c'était mes derniers appâts, c'est pour ça que c'est. Alors, c'est sympa les messages en multijoueur, mais ouais, mais si ça me flingue ma barre de tâche et que je vois plus rien, ça va pas le faire. Il est où mon recycleur? Il est là. Je recycle le bois mort. Voilà, faudra peut-être que j'appuie sur les bonnes touches. Je veux dire le bois flotté. C'est ça. Ah, il y a le festival des glaces. Oh merde, déjà. Il veut pas que je quitte le lit de jeu. Sérieux? T'es vraiment prisonnier de ton plumard? Ah, Ouais. il y a un petit bonhomme chelou qui me voit. Un Ah ben bonhomme oui. chelou. Ah ouais, j'ai une cinématique. Ah! Oui, ça y est, je crois savoir c'est laquelle de cinématique. Pourquoi je comprends pas? Ah, du coup, nos gains sont partagés si on fait des récoltes et tout ça. Oui, c'est un pot commun. Ouais. On a tous le même compte bancaire, on va dire. À chaque fois, je pouvais Skype la cinématique en appuyant sur Oui, 1. tu peux zapper, ouais. C'est peut-être propre au multijoueur, hein, méfie-toi. Mais ouais, tu peux zapper, là. Bon, le petit bonhomme, je sais où tu te caches. C'est pour avoir un objet précieux et pas n'importe quoi. Mais je rebondis sur ce que me disait une scène, 60 heures de partie, point d'interrogation. Mais oui, mais ça va vite. Regarde mes sessions de Stardew Valley. J'en fais pas mal à l'antenne depuis un beau bout de temps, et en général, ça dure 2 heures et demie, hein, une semaine virtuelle. Donc, mis bout à bout, je comprends le compteur que ce soit déjà à 60 heures. Hein. Ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. J'ai obtenu ma loupe. Je fais n'importe quoi. J'ai perdu mes repères là. Je vous fais de la mouise. Attendez, j'essaie de mémoriser rapidement, mais. Ah, j'ai déjà le traduction des langages des nains. Ça, c'est bon ça. De savoir parler le nain, c'est vachement important.
une clé rouillée, j'ai la clé tête de mort et la loupe. Un instant. Ah, Non, le retail, il a eu un petit crash. Non, j'ai quitté exprès justement pour. Ah. Débugué. Ouais, il a un bug. Il est bloqué dans son plumard, il peut pas sortir du lit. Non. C'est horrible. Et je peux toujours pas. Ah, c'est ballot ça. Si tu veux que je relance la journée exceptionnellement, qu'on voit si c'est pas lié. Ouais, à la on essaye. Attends, ouais, je retourne à la maison. Oh, ça changera rien, ça va pas être sauvegardé. Qu'est-ce que. Mon lit est possédé. À ce point. Ah, ah ben, je sais pas. Ah, ben. Attendez, je vais relancer. Je casse la. La connexion, ouais. Ouais, je pense qu'il vous l'a dit, là. Mmh. On est d'accord. Oui, oui. On va recommencer parce que le coup du lit. Le lit possédé. Ouais. C'est délirant. Je vais vous redonner un code. Pas décidément. Ouais, il n'y a pas de chance, ton retard. Ouais, t'as pas de bol. C'est pas le même code. Attention. C'est le code, il change. Ouais. Le début est pareil, mais pas la fin. Voilà, je vous laisse le temps de faire un copier-coller depuis le chat ou prendre connaissance sur mon écran de la combinaison. Combinaison en 11 caractères. C'est le jeu, c'est pas moi qui invente. Bah, du coup, ça n'a pas sauvegardé mon perso, je suis obligé de faire un nouveau perso. Comme tu le sens, oui. Moi, je suis en train de remarquer que ça a zigouillé ma manette. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Alors, j'espère que c'est la bonne cette fois-ci. Mon lit veut pas là. Il veut pas me laisser sortir là, le lit. Mais c'est pas normal parce que ça la fout mal. Ça veut dire que tu peux pas jouer. C'est bizarre comme bug. Moi, j'ai pas ce drôle de bug bizarre. Hein. Bah, heureusement. On est bien d'accord que c'est pas un problème de manette de contrôle, Torota. Parce que je suis clavier souris. Ouais, donc, t'as pas de manette branchée sur ton ordi? Non. T'arrêtes de travailler tôt ce soir, tu m'étonnes. Oh, la prise de congé forcée. Ouais, c'est pas normal ton histoire, Torota, c'est terrible. C'est vachement frustrant. Alors, pour la machine à coudre, il displace un tissu en vêtement qui peut être teint ou la plaque. Alors, je peux toucher Toucher quoi? Ouais. Je peux toucher à tout ce qu'il y a dans la maison, sauf le lit. C'est démon. Attends, je vais voir ce qui se passe pour lui. Ah ouais, tu peux là, mener l'enquête, Dragon, parce que c'est délirant la description que. Ah, par contre, il y a toutes tes mousses qui sont prêtes. Ah, merci pour l'info. C'est stratégiquement important pour notre fortune, les mousses. Là, je suis chez toi, le sage, ouais, parce que j'ai repéré ta maison. Sa maison de Torota, je sais plus où il est. La petite maison qui est au-dessus, là. La première qui est en haut. Pardon, j'ai 10 minutes de retard sur la question que m'avait soumis. Heureusement, je remets mon nez dans le chat. Il y a Erika qui posait la question. Est-ce que je me mettrais au festival de tôle froissée, au Wackfest? Alors, pour le moment, tu sois Erika, si tu m'écoutes, que mon ordi est pas capable de... Mon ordi est pas assez puissant pour... Mais viendra un jour, ouais, je pense que je goûterai au festival de la tôle froissée, là, qui est le Wack Festival. Et avant, et là heureusement, et c'est rassurant de se dire que mon ordi en est capable, avant je vous ferai le classique sur PlayStation, mais sûrement en émulé, de Destruction Derby, que j'ai beaucoup apprécié étant ado. Ton retard, je te vois pas. J'ai une question, le sage, est-ce que tu as un totem de téléportation de la ferme? Ah, tu es malin. Si je te le cède qui va dans ton inventaire, tu pourras te libérer. Tu es malin. Bien pensé, Torota. Merci, mais bon. Oui, non, bah attends. Il faut que ça marche. Attends, mais j'adore ta théorie. J'adore ta théorie. C'est digne d'un jeu d'énigmes de logique. J'adore ça. Bon, du coup, je reste à proximité du sage, hein, parce que pourquoi je trouve pas besoin de ton retard.
Bah, je veux dire, t'es libre de tes mouvements. Bah, je sais pas c'est avec elle. Plus paumé. Bah. Ce que t'as de commun à toutes les fermes, tu sais, c'est les extrémités. Donc t'as la sortie au nord, au sud et à l'est. Pour aller au village, là où je suis. Ah oui. Ah, je vois une troisième maison. C'est pas la sienne par hasard? Bah, t'as trois maisons sur la gauche, c'est celle du haut. Voilà. Attendez, ah, je te vois. Je suis un débile profond ou... Je vois, t'es bloqué dans le lit. Mais ah, bah ouais, ouais. C'est sa malédiction. C'est un truc de malade. Attendez. Oh merde, le téléphone qui sonne. Qui c'est qui vient me déranger? Un commerce. Oh merde, l'ours. Il manquait plus que lui. Qu'est-ce qu'il y a? Mon dieu. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il rend? J'ai encore cette bonne sauce, l'ami. Oui, d'accord. Ça m'a rendu très, très heureux. Je voulais juste te remercier. Au revoir, l'ami. Depuis quand l'ours a le téléphone chez lui? C'est quoi ce délire? C'est une question qu'il ne faut pas se poser. Depuis quand l'ours est raccordé au réseau téléphonique des humains? Mais what the fuck? C'est quoi ce boxon? Attends, mais j'ai l'impression de cauchemarder. J'ai pas de totem de téléportation? Je suis en train d'ouvrir tous mes coffres. Il a déplacé le lit dans sa maison du joueur. Oui, on sait. Non mais Crotum, attendez. Je suis choqué d'avoir aucun totem de téléportation. J'en ai normalement. Ils sont où? Oh, je comprends plus là. C'est panic on board. Attends, je vais vendre mes mousses. Et si j'essaie de dormir. Voilà. Et si j'essaie de dormir dans le lit de Rota. N'importe quoi. Non, ça serait trop drôle. Attendez. C'est que du une place, donc. Les totems de téléportation, on est d'accord, on peut que les gagner, on peut pas les acheter. Il y a personne qui vend les totems. Mais de mémoire. Alors, je sais que tu peux avoir des recettes de totems. Oh putain, ça veut dire. Non, mais j'ai rien de 5 off, faut que j'arrête. Non. Attends, sinon, je vais relancer mon ordi. Peut-être que ça vient de là. Oh, c'est bizarre quand même. C'est vraiment bizarre. Non, je pense que t'as eu le malheur de mettre ton lit dans l'angle et fallait pas, c'était pas prévu par les concepteurs. Mais le lit, il était déjà comme ça, surtout. Donc c'est pour ça. C'est super bizarre ton histoire. Bon, hop, je quitte et puis je relance l'ordi. Ouais, tout de suite. Deux. Ouais, oui. À plus. Je comprends pas le bug pour te retard. Oh merde, j'en avais un sur moi! Mais qui est con! Mais bon, il peut toujours essayer de relancer son ordi, va. Mais je suis nul, c'est pas croyable. Oh, c'est quoi ce bug? Là, on voit des champignons alors que. Merde, mais non! Arrêtez tout! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait usage accidentel du totem, merde! Alors que je suis censé donner à Torota s'il est encore dans la mouise. On recommence! Je suis désolé, j'ai pas fait exprès, merde! C'est pas grave. Alors je vais vous redonner un code. Oh mon dieu! On va y arriver. Code d'invitation, ouais! C'est reparti! Oh merdoum, tiens je rebois un coup. Tiens, j'avais pas vu, il y a un logo bière. Ah, récompense, médaille d'or, Pays-Bas, meilleure bière au monde en 2022. Waouh. Bon, c'est reparti pour recréer un autre perso. Pourquoi pas? Cette fois j'ai pas de chance. Troisième fois. Pourquoi pas? Alors c'est la bonne, j'avais 203, c'est la bonne. On y croit. Mais je suis un abruti fini, c'est extraordinaire, ma bourde. Le pire, c'est que je lui dis que j'en ai pas alors que je l'avais dans l'inventaire, mais je l'ai même pas vu. Torota. Ah, c'est bien, t'as relancé ton ordi? Oui. Voilà, c'est bien. J'ai fait Je relance mon ordi, moi, il me faut 10 minutes pour revenir à l'antenne. C'est extraordinaire. Alors, des nouvelles, t'es sorti du pieu. Il a fait le code, du coup. Ah oui, pardon. Je vais bien voir. J'ai mis le code dans le chat. Ah bah maintenant, cette fois, c'est moi qui bloqué dans le lit.
Non, t'es pas sérieux. Attends, j'essaie de débloquer. Ah si, c'est bon, ça s'est débloqué. Ouais, parce bah déplacez votre lit. Le... S'il vous plaît, ouais. mais déplacez votre lit, mettez-le au centre de la pièce, on n'en parlera plus, parce que ça va me rendre fou, cette histoire. Bon alors, Torota, voilà. Que se passe-t-il? On veut tout savoir, Torota. J'arrive. Ah oui, pardon, je te bouscule un peu trop vite, le temps que tu charges le jeu, etc., et que tu rentres le code. Oh, c'est pas grave, y a pas de soucis. Je suis déchaîné. Mais j'ai eu un bug là tout à l'heure, le coup des champignons, c'était pas normal. Le bac aurait pas dû être rempli de champignons. C'était un bug. Je sais que tu es là, Torota. Je te chouette. Ah, le voilà. Ouais. Alors. Oui, non. Ah! Je t'ai vu bouger. Non. Je peux pas. Je suis toujours bloqué. Bon, alors je vais te donner mon totem. C'est un truc de malade. Allez hop. Magie du démon, téléporte-toi. Et bah heureusement que j'avais ce totem sur moi, dis donc. Parce que j'en ai pas ailleurs. Ah, merci beaucoup. On a sauvé le soldat Torota. Alors je vous mais dis. Mais c'est la... quand même bizarre. Hein. Alors. Ouais, mais je. Mais qu'est-ce que. Ah, punaise, à tous les coups. Ah, une hypothèse de travail. Ouais. Et à tous les coups, c'est ce. Julien Le Père sort de ce corps. Du coup, dit ouais. Le jeu m'a brain. Ah, le jeu t'a retourné le cerveau, ok. En fait, je sais pas pourquoi le jeu m'a refait, m'a rechangé les touches de déplacement. Ah. Mais tu joues avec quoi comme manette? Ah, t'es au clavier souris, je veux dire. Ouais, clavier souris. Et en fait, je sais pas pourquoi, le jeu, il a décidé de remettre les anciennes touches. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que je pouvais pas me déplacer. Parce que quand je me suis téléporté, c'est bizarre, je pouvais me déplacer à droite et descendre, et je pouvais pas aller à gauche ou monter. Et du coup, c'est juste parce que les touches ont été décalées. Il y a une petite fête ici, apparemment. Oui, le festival de sculpture sur glace, là, ouais. Mais... Ah, de sculpture, oh, ça m'intéresse pas. Bah, il y a la pêche. Je pense que la pêche, tu vas adorer, c'est ton activité favorite. Ouais, je vais être premier. Ah, mais oui, justement. Ah, ben, tu fais bien de m'en parler. Attends, moi, je triche, je vais prendre un potage pour un bonus pêche. Plus 3 à la pêche. Na, je le bois et j'arrive. Oh, j'ai même pas besoin. Quoi? Mais il y en a pas. Oui, quoi? Il n'y a rien. Comment ça, il n'y a rien? Elle est où, la fête? Mais elle est près de chez... en bas! Près de Marny, la cochonne. La menthe de Marny, mer, la là. Cochonne. Oui. Ah oui! Faut aller du côté de la cochonne, en direction de la tour du sorcier. La Peggy. C'est ça. Reviens par là. Peggy la cochonne. Oui, non, mais quand tu connais l'histoire... Oh la vache. Tout a été dit. Ouais, de tous les trois. Youpi! Vite, bon, je bénéficie. Alors. On démarre la compète tout de suite ou pas? Oui, vas-y, allez hop. On fera des achats après, auprès du petit cochon. Voilà, parce que moi j'ai mais bu... Mais monsieur le maire, tu vas me répondre! Ah non, c'est bon. J'ai bu ma soupe... que c'était bugué. Mais non, c'est pas bugué. J'ai bu ma soupe non. Bonus plus 3 pêches, donc je veux gagner, na. Je suis pas doué, hein. Oui, oh, tu fais comme tu peux. Oh, t'inquiète. Moi, allez, je vais faire suer Willy parce qu'il n'y a pas assez de trous dans la glace. Moi, je me mets du côté du Willy. Je vais le faire suer. C'est parti. Viens ici, Willy, que je prenne tes poissons. Merde, j'ai jeté ma canne pêche. J'ai lancé trop loin. Ah, c'est parti. Ah, j'espère que mon bonus plus 3 en pêche va me porter chance. Allez vite. Elle est toujours avec son home de chevalier, c'est trop bien. Ça mord pas beaucoup, je trouve. Comment ça, il a eu un poisson?
C'est truqué. Ce jeu est truqué. C'est comme dans le film avec De Funès, là, en noir et blanc, je sais plus comment il s'appelle. Ou pour on avait parlé il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelqu'un dans l'eau qui fait de la plongée et de l'apnée et qui lui accroche au bout du fil les poissons. Ah oui, je vois le truc. C'est un des premiers films de... J'allais dire de Bourville. Un des premiers films de Funès. Je sais plus comment s'appelle le film. Brutal est déjà à 3. Yep. Il est fort, Torota. Il adore la pêche, Torota. C'est un champion. Il fait concurrence à lui, Torota. En solo, je suis niveau 10. Donc, t'inquiète. Ah oui. Je crois que j'ai jamais atteint le niveau 10 en pêche. Donc... Je sais même pas comment. Je suis niveau 10 partout, de toute façon. Oh wow, tu l'as fumé, le jeu. Oh, il pas encore. Il me reste tellement de... Non, je l'ai vraiment pas pensé parce qu'il reste vraiment beaucoup de choses encore à faire. Ouais, bah c'est tout à son honneur, c'est cool. Oh, c'est un jeu formidable. Merde, j'ai perdu ma cadence. Je suis rentré en mode zen alors que je devais rester concentré. Plaisir de bavarder avec vous, puis j'ai oublié... 15 secondes, il reste. Et la compétition rude. Et je crois que j'ai vraiment mon bonus de plus 3 à avoir bu la soupe des pêcheurs. C'est cool. J'ai 5 poissons. Et en route pour le J'en ai 5 aussi. 4. Oh non ! Il m'a pas... Oh merde ! Il me manquait une seconde pour avoir le 6ème. Ah, on est à égalité. Sérieux ? C'est énorme. J'en ai eu 5 aussi. Ouais. Tu vois, il 2 va déchets. Dire que... Ouais, tu vois, il va dire que c'est Willy qui a gagné. Ouais, c'est Willy qui va gagner, c'est sûr. Ah ouais, mais c'est le champion du village, tu parles, c'est le professionnel. Et maintenant, voici le gagnant du concours. C'est Samantha et Torota. Non. Ah. Si. Sérieux? Ouais. Oui. Oh oui. C'est beau. Ah, oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, mais voilà. Allez, hop. Voici votre félicitation. Oh, c'est beau. Ah, c'est sympa. C'est quoi la récompense? Tiens. Ah, casquette de marin. Oh, sympa. Ouais. Ah ouais, c'est sympa. Oui, relâchons les pauvres poissons. Vite, avant de finir le festival. Ah merde. Ah, c'était avant qu'il fallait faire les achats. Merde. Ah, con. C'est pas grave. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des achats exclusifs mis à la vente. Tant pis, ce sera pour une prochaine. Oh, je vais essayer ma casquette de marin. Casquette de... Oh, elle est stylée, Samantha. Ça lui va bien. Elle est stylée. Attendez, avant... Capitoune. C'est ça, exactement. Avant le minuit... Ouais, je vérifie comme quoi les tonneaux carburent à donf. Ah, vous voyez, j'ai mon icône de... Vous le voyez peut-être pas à cause de mon bandeau en haut de la chaîne. Mais j'ai un bonus pêche. Est-ce que je peux te passer des graines de pané? Ah bah oui, tu peux, oui. Oui, je veux bien, merci. Oui, tu peux... Ouais, soit tu me les pâches, soit tu me les ranges dans un coffre. Mais oui, merci. Bah, je vais les ranger dans les graines de printemps, tiens. Merci, dragon. Merde, j'ai plus de place. Je vais les mettre. Je te donne des graines et t'as plus de place. Ah ouais, problème de riche. Attendez, je te le mets dans le coffre bonus. Mais il faut que je vide mes poches, là. Mon inventaire, il est blindé. Oh, j'ai gagné une émeraude. Le Cristanarium, là, m'a fait un duplicata d'émeraude. Trop bien. Oh, je suis content, on a gagné Xeco concours de pêche, énorme. Ouais. Je sais pas si... Les vilaines bêtes. Voilà, les vilaines bêtes. Oui, attention, il y a des ennemis de nuit, fais gaffe. J'ai mis l'option ennemis de nuit, pour histoire de pimenter l'aventure. Je me demande si j'ai pas porté véritablement préjudice à Willy en pêchant dans son trou. Je lui ai peut-être effectivement bouffé des poissons et je lui ai fait diminuer la fréquence de capture. Non, oh, punaise, il y a un espèce de zombie là qui s'est levé. Oh purée. D'accord. Non, lui, c'est juste pour les pubs, donc t'inquiète pas. C'est le monsieur CTLM, mais c'est autre chose. C'est le monsieur qui veut te faire signer un crédit alors qu'il est déguisé honteusement en buisson. C'est lui-même. C'est honteux. La. Du coup, le singe. Mais c'est qui qu'on attend? Que je fasse. Grange ou poulailler? Ah oui, pardon. Bah oui, fais gaffe de pas.
Oui, il tombe pas dans les vapes parce que tu faut que tu récupères ton énergie. La Ouais. pêche, ça bouffe de l'énergie en plus. Oui, pardon, Torota, tu voulais dire? Je voulais dire grange ou poulailler du coup. Ah oui, dans les constructions. Oh, on commence tout doux avec le poulailler. Un poulailler doit être plus facile à gérer qu'une grange, non? Je dis ça, j'en ai aucune idée. Oh, les volailles doivent être plus faciles à gérer que les veaux, vaches, cochons, là. Alors, ça C'est normal que dépend. j'ai un écran noir. Non, t'as eu un bug, mon pauvre. Ah bah j'ai le jeu qui s'est fermé. Si. Si tu veux te faire de l'argent, Pardon. si, si tu veux te faire de l'argent, le sage, c'est mieux une grange. Et très Bon. très haut la main, je dirais que c'est la grange pour faire de l'argent. Eh ben, on va faire la grange. Allez, tu m'as argumenté ton propos. Tu meurs d'envie que ça, la grange, ce sera la Le grange. jeu qui Oh, s'est ma pioche crash. en Hein. or est prête. Oui, ça arrive que le jeu crache, elle faut aussi être au retard. Faut pas se braquer, se frustrer, t'inquiète pas, tu te Ouais, je reconnectes. sais. Ouais. Et J'ai pas de t'inquiète pas, chance. tu vas reprendre le même en Je vache. veux juste voir mes compétences pêche et tout le reste à 1. Mais sauf que y a niveau 2. Yes! Oh. Mais ben, j'ai du boulot. Il a du boulot. Ah, il y Oh. en a qui dit, moi je vends des chapeaux, viens à la vieille maison, apporte des pièces. Ah oui, c'est l'espèce de chat. Oui, ils vendent toutes les coiffes à 1000 balles, ouais. Ou 2000, je sais plus. Alors, hop, je te passe tout ce que j'ai eu en gain. Hein, Merci. Alors, attends. Moi, ce qui me met un peu en stress, c'est que mon inventaire est en train d'exploser. Ah bah j'ai eu des cookies et un gâteau. Un gâteau rose. Il faut que je... Oh bah ça part, tranquille, un Je vais gâteau. les ouvrir. Miel. Hop, je vais te donner ça. Ça, je vais les ouvrir. Attendez, ça je l'ai débloqué. Celui-là. T'as eu ta pioche en or. Ah, l'éventail. L'éventail n'a pas été identifié par Gunter. Il faut pas que je jette l'éventail. Non mais ce qui est fou c'est que j'ai trop de trucs en fait. J'ai un problème de riche, mon inventaire va exploser, je sais plus quoi faire pour tout ranger. Mais ça devient gênant là. Ouais. Ah si, j'avais oublié mon coffre planqué, voilà pourquoi j'y arrivais pas. Mais si que j'ai plein de totems. Mais quelle nulu je fais. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui collait pas. J'étais pas foutu de retrouver mon, j'allais dire mon totem. Oula. Mon Je t'ai coffre. vu te téléporter d'un seul coup, là, ça fait bizarre. Oui, oh, c'est des petites latences réseau, ça arrive. Tant que ça ruine pas l'expérience de jeu, tu sais, Alors, faut pas s'en faire. bon, j'ai trouvé la silhouette sombre pour Voyons. gagner la loupe. Encore une Voyons, fois. voyons, 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 Pardon, j'ai voyons. une question tournée vers Torota. Est-ce que tu peux prendre dans mes Oui. ressources et c'est toi qui peux acheter la grange pour moi? Oui, non? Je pourrais, effectivement, mais Et pour un il vase faudra ébréché. que je revienne chercher les ressources. Oui, ça Alors. presse pas, mais en fait, je veux éprouver le jeu et le tester, à savoir si je peux déléguer un joueur secondaire, alors que c'est moi l'hébergeur principal. Est-ce que les achats importants, comme on a pot commun au niveau de la tirelire, je veux savoir si la cohérence est poussée jusqu'à son paroxysme, vous voyez? Je veux voir. Bon. Oh, j'ai gagné. Oh, bonjour, désolé que c'était pas doué pour écrire, j'ai fabriqué un logo de madame de trop, je me suis dit que ça pourrait être utile, Clint. Bah merci mec. Il y a le 3-3 quotidien. Ah! Et j'entends siffler le train. Et Il y a j'entends le train. siffler le train. On va aller voir le train-train de Stardew Valley. Ah, c'est un Bah événement le j'arrive, hein. train-train. Moi je me précipite vers le chemin au nord où Alors, se... Oui? tout, il va Le falloir train, oui. Moi aussi, je me précipite vers le nord. C'est le il va nord. falloir que je m'organise. Il va falloir que je m'organise. Oh, le train qui fait gicler des trucs. Oh, c'est quoi ce délire? Le train perd de sa marchandise. Comme Mario. Oh! Non, ça parle Quoi? mal. Qu'est-ce qu'il raconte? Avant Non, donne-nous des sous, le train! mais oui, Reviens! le train nous donne des trucs, regardez!
Le train pète de le marchandises, regardez. Il y en a plein les voies. Pète les... Ouais, je suis plein. Oh, j'ai une chaussure de lutin. chaussure de lutin. Mais c'est pire que le train Amazon aux États-Unis. C'est quoi ce wagon? Quoi dire? Des fraises. Des fraises spéciales, les gars. Mais hey, t'as vu, c'est un sapin humain à tête d'homme. Mais c'est quoi ce délire? C'est la première fois que je vois ça, moi. Ah oui, alors. Et moi? Au secours, passager clandestin, emporte-moi. Hop. Tout le monde a disparu. C'est rigolo. Ce jeu est génial. Ce jeu est absolument génial. J'ai trouvé deux géodes gelées. C'est parfait. C'est bien. Mais et les cailloux qu'il a balancés, j'ai 26. Par contre, j'ai que un slot de. J'ai qu'un slot de sac. Faudrait que je m'achète les. Faut que je m'achète derrière. J'arrive plus à parler, ça y est. Ah oui, c'est l'émotion. M'en parle pas. Qui c'est qui veut ses chaussures de lutin? J'en ai trois paires. Grand-père? Ah oui, j'ai trois paires. Je te donne la tienne, tiens. Ouais, attends, parce que faut que je mange un truc, ouais. Ah oui, mange, mange, mange. Ah, mais j'ai mes bottes de l'espace, donc ça me va. Oui, moi aussi, mais si tu veux varier tes fringues. Sans déconner, le train m'a donné trois paires de chaussures de lutin. Mais c'est n'importe quoi, ce jeu, il est magique. Eh ben, on sait ce qu'il faut faire dès qu'il y a un train qui est annoncé, hein. Faut se précipiter. Par contre, il faudrait que je m'achète un slot de sac, parce que pour mettre en paire... Eh ben, je suis limité qu'une barre, ouais. Eh ben vas-y, va voir Pierre, il va te le vendre le premier pour pas trop cher. Pour 2000. Après, le deuxième, c'est un peu plus cher, mais bon. Oui, le troisième. Oh, et encore, tu mais avec. Attends, ouais, parce que avec des bières, c'est très vite rentabilisé. Eh oui, faites brasseur, exactement. Faites brasseur, on Alors, fait de la Alors, je suis chez Pierre, voilà. Mais oui, vas-y, allez, augmente ton inventaire. On prend le luxe direct, allez hop, vas-y. Fais péter la thune, exactement. Allez péter la thune, voilà. Ah oui, tu seras confort. Torota fait pareil, on va pas t'interdire. Puis c'est pas comme si c'était moi qui vous encourageais. Perversion. Ouais. Alors, je recherche quelqu'un pour m'apporter 40 unités de minerai de cuivre. Pour m'aider à inspecter les minerais locaux, Clint. Ouais, c'est le forgeron, en fait, il t'invite à faire une descente dans les mines. Et espérer récolter 40. Il va juste les inspecter, il va te les restituer et te donner de la thune. C'est juste pour un contrôle qualité par rapport à ce que tu vas extraire dans les deux jours. C'est sympa, c'est une quête tertiaire bonus. C'est sympa. Si tu sais que tu fais une descente dans les mines, fais-la. C'est tout. Ah oui! Oui, merde, il va fermer trop tard, con! Ah, j'avais ma pioche en or, mais il ferme à 16h, c'est trop tard. Ah merde, j'ai zappé, le pire c'est qu'il me l'a annoncé, le train m'a troublé. Bon c'est pas grave, je vais récupérer mon outil, bah tiens d'ailleurs je vais préparer le niveau au-dessus. Donc j'ai fait quoi? J'ai fait pioche en or. Il faudrait que je me fasse la hache en or aussi, à défaut d'avoir les couilles en or. Enfin avec la brasserie ça va venir, tu me diras. Tu l'as fait à quoi la pioche? Bah là j'ai demandé en or là. Là il va me la restituer en or. La pioche? Ok. Oui. Mais fais-la au maximum alors. Oui, mais ouais, mais à égalité je vais mettre la hache en or aussi. J'ai la faux. Ah non, la faux je crois qu'elle est restée en pierre. Alors la hache, une fois que tu l'as en fer ou. Bah elle est en fer. C'est. Enfin, je crois. Si elle est en fer, c'est bon, t'auras pas besoin de mettre supérieur par rapport à ce que tu auras besoin pour après. D'accord. C'est surtout la pioche dont tu auras besoin de... Oui, j'ai le météore là, j'arrive pas encore à le briser le météore dans mon terrain. Oui, je pense que là ça va m'aider, entre autres choses. Par contre, du houblon, t'en as beaucoup. Hein. Bah ouais, mais ça va vite, bien sûr que j'en ai beaucoup. Ça va vite et il faut qu'on se fasse de la thune dessus. Si tu veux régulièrement que je fasse les 30 tonneaux de bière, alors je sais qu'il n'y a pas que la bière à faire avec les tonneaux, évidemment, mais comme c'est... Je base mon économie là-dessus, j'en ferai encore plus à l'avenir, hein, le prochain printemps, je vais faire plus de tonneaux. Je vais faire plus de tonneaux. Je trouve que je joue très mal, excusez-moi. C'est l'euphorie, la rigolade, c'est merveilleux.
Mais je joue mal. Ah oui, puis Gunter qui doit analyser le... J'ai pas rangé mon matos de pêche, c'est pas bien. Et j'ai pas préparé le coup suivant du forgeron. J'ai entendu caca pêcher dans le coin. Ah oui, j'ai peur, oui. Tant que c'est pêché, ça va. Mais ça dépend, t'es où, Dragon? Je suis à la carrière. Oui, bonjour le chien. Oh, je t'ai donné ton eau, le chien, je suis pas sûr. Attends. Non, j'ai oublié de ranger les graines d'acajou. Tu me mets dans le doute, Zeus. Je t'ai donné ta flotte ou pas? Oui, t'as eu ta flotte, ça va. Me voulais rassurer. Non, c'est pas prêt, les mousses. Ça fermente encore dans les tonneaux. Matos de pêche. Ranger le matos de pêche. Je ne m'en servirai pas pour le moment. Sympa, hein, le prix de la pêche. Hein. Ça vaut le coup. Et je sais, depuis que je sais parler le nain, ben j'ai petit marchand spécial. Hein. Oui, sauf que je trouve qu'il n'y a qu'un seul objet qui renouvelle à chaque fois, chaque jour. Sinon, c'est toujours les mêmes trucs. Là, je peux avoir la recette du sol patiné. Ouais, toi de voir si t'en as envie, je sais pas pour ce que ça coûte. Mais. Ça coûte. 500 pièces. Oui, bah fais-toi plaisir. Ouais, c'est pas trop cher, ouais, mais ça oui, va. Oui, vas-y, fais-en acquisition. Si t'as envie de mettre le sol là dans ta petite casse-bas en multijoueur, c'est l'idéal. Oui, d'ailleurs, buvez ceci et les monstres les plus faibles vous éviteront. Ah! Ah, ouais! Les mousses sont prêtes. Oui, c'est connu l'élixir d'ail pour faire fuir les petits monstres. Ouais, c'est d'adosser les chauves-souris, c'est pratique. Entre autres. Ah, récolte de mousse. On va avoir un revenu cette nuit. La livraison va se faire. C'est bon, ça. Bon, j'ai le point d'exclamation qui s'excite un petit peu, donc voilà. Ah, au niveau des quêtes, je précise. Ouais. Il n'y a point double langage dans nos exclamations, justement. Et pourtant, on fait pas de bibi. Ouais, alors ça voilà, reviendra le mois prochain. J'ai vu l'horreur. Ça reviendra le mois prochain. Oui, attends, je suis sûr. Tiens, je suis sûr. Tiens, le gélatine, mange. Oh. Là, fais un petit peu de chasse. Ah oui, alors. Un peu de chasse nocturne. T'as vu comment il m'a agressé le saut de puce qu'il a fait, le vilain? Oh. J'étais où? Ouais, ça c'est dangereux, ça, le saut de puce. Oui, c'était très dangereux. Et c'est vrai qu'il m'a surpris, le moustique, il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Oh, j'ai une épée, bon, pas très efficace, mais au moins je peux. Moi, ça fait le travail. Oui, ça fait le café, ouais, tu te défends. Heureusement, d'ailleurs. Ah. T'imagines une demi-norme en papier factice. Bon, je voudrais pas dire, monsieur Torota, mais je vous ai pas offert votre paire de chaussures lutins. Oh mince, quel dommage. J'espère pas que je l'ai recraché au moment de sauvegarder. Non. Par contre, si ça devait se produire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Mais... Tac. Ça et ça, c'est pas... Ah, Robin, okay. Elle bosse. Attends, je te donne ta paire de godasses de lutin, hop, dans ton coffre. Au moins, ça c'est fait. Mélange de graines et du charbon, ouais, ça c'est bien. Ça c'était avec Brian. J'ai pas fini, la journée continue, j'ai pas fini ce que je voulais faire, c'est horrible. Ce jeu rend fou, ça stresse comme une vraie journée de boulot. C'est incroyable. Et. Oh, j'ai tué avec la chauve-souris. Ouais, tu veux que je t'aide? Ça va? Non, ça ira. Ah, le gélatino voulait me claquer la bise. Il est mort. J'arrive. Ah, non, mais j'ai rien. J'ai pas le niveau dessus, j'ai pas d'iridium. Et non, l'iridium, j'ai pas. Ah, une note secrète. Je vais la lire. Mais j'ai quasiment pas de minerai, en fait. Écrit de la main de... Attends, je l'ai vu, mais c'est écrit de la main, je sais pas quoi. Mm-hmm. Écrit par la main de Dieu. Non. Lady Commandant. Bon, il est 1h du matin.
Oui, il va falloir aller se péter là. Je sens que je vais avoir des malus au réveil, moi. Faut que j'arrête la déconnade, vous avez raison. Alors, je lis la note secrète. Écrit de la main de Lite, de Lett. Mon idée d'un dîner parfait serait une salade et du fromage de chèvre, et des truffes et du vin. En dessert. En dessert, je voudrais un muffin. Alors, non. Des truffes et du vin. En dessert, je voudrais un muffin aux graines de pavot. Si quelqu'un m'offrait une de ces petites douceurs, je fondrais littéralement. Et si tu allais te coucher avant que tu ne tombes KO. Voilà. Alors, Léa, ouais, c'est la celle qui fait de la sculpture sur bois. C'est la fille à la natte tressée, genre Colibria. Bah, 12 600, dis donc. Oui, bah oui, non, oui, c'est ça qu'on fait 30 tonneaux de mousse. Alors, toi, t'as une tarte à la fraise et une mousse. Ah, oui, c'est ça, t'es une scène qui passe commande. Mais bien sûr. Ah, la reine des sauces. Ah, oh, carpe surprise. Voici une petite douceur que j'ai fait ce matin au bar. Bon appétit, ton ami Gus. Oh, sympa, un mélange de légumes. C'est quoi les propriétés? Oh, voilà, c'est juste très nourrissant, mais c'est bien. Alors, faut que j'aille voir le forgeron. Pardon, faut que j'aille voir Gunther. Ah, moi c'est pareil parce que j'ai eu un espèce de vase. Un vase ébréché. Ouais. Voilà, je donne l'eau à Zeus. Ouais, ça fermente au niveau des bières. La grotte aux champignons, tous les jours, une récolte à faire. Oh, elle est variée la récolte. Vache. D'ailleurs, c'est des champignons qui vont filer dans le frigo. Parce que. Est-ce que. J'ai question. Est-ce que je peux faire mes outils. Je peux passer directement à l'étape. Du fer. Bah. Faut préalablement faire d'abord le. Non, le bronze. C'est graduel. Il faut faire. C'est graduel. Il faut que tu fasses d'abord le bronze. Ah oui. Tu sais, le sage, tu peux lire tes notes secrètes, ça te fera de la place. Oui, alors attends. Attends. Non, les notes secrètes, doucement. J'ai pour habitude, comme les bouquins de la bibliothèque, pour faire durer le plaisir à chaque épisode, j'en lis un par semaine virtuelle. D'accord. Oui, je te comprends, mais c'est pas grave. Des coffres, je peux en faire 50 à condition d'avoir du bois, mais c'est un non-problème. Non, c'est juste pour pas tout dévoiler en une seule fois. Ah ouais, pas de soucis, oui, je comprends. Donc là, t'as lu les plats favoris de Léa, voilà, c'est bon pour la semaine virtuelle, tu vois. J'aime bien faire comme ça. Ça rythme le jeu et ça évite... Là, tu vois, je vais aller dans la bibliothèque. Attends, je vais lire un bouquin et au moins, on aura déjà fait ça pour la semaine. Voilà, j'avais un éventail à céder. Oh oui! Ce seul objet me donne droit à une récompense. La triple dose d'expresso. x3. Je vais me louper au café. Attends, j'ai pas compris le bonus du café. Il y a un bonus. Ah, la vitesse. Ouais. C'est ça. Alors, rapport de technologie. Ah, voilà un bouquin intéressant. Tiens, à la bibliothèque. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous à l'entrée des égouts? À l'entrée des égouts. Alors, pas la plaque proche du vendeur, mais l'autre qui est tout au sud. Ah, au bord de l'eau, dans la nature, la sortie des égouts, ouais. Oui, avec la grille ronde et les barreaux. Oui. Bah, moi je suis dans les mines. Ok. Attendez, le bouquin. Les plans de machines avancées appelées Crystallarium, que j'ai, ont récemment été publiés. Cette machine fait pousser les cristaux à partir de presque rien. Je suis en train de me faire des duplicata d'émeraudes. Fournissant à son propriétaire une qualité infinie de gemmes précieuses. Voici comment ça fonctionne. Placer un joyau de votre choix à l'intérieur du Crystallarium. Maintenant, sur les patients, ça peut prendre plusieurs jours. Mais le Crystallarium finira par produire une copie de ce que vous avez placé à l'intérieur. Vous saurez que la perfection est terminée. Que la production, pardon, est terminée quand il cesse de bouger. Après avoir retiré votre gemme, le Crystallarium commencera à travailler sur une autre copie. Vous n'aurez jamais besoin de le réapprovisionner à moins que vous souhaitiez changer le type de gemme qu'il produit. Malheureusement, le Crystallarium ne fonctionne pas encore avec la pierre extrêmement rare connue sous le nom de tesson prismatique. Pour une raison quelconque, le champ électromagnétique du tesson interagit négativement avec le Crystallarium. Ça veut dire que la ressource est extrêmement précieuse. Si elle ne peut pas être dupliquée, le tesson prismatique, ça va être un truc de ma boule. Alors merci, je vois pas ça tous les jours, dit Penny. Mais oui, ma grande. Bon. Opération séduction. Ah, Vincent, vous êtes Penny, dit que je dois lire ce livre avant d'aller jouer. Tu sais quoi, je devrais emmener les enfants en excursion un de ces jours dans la forêt, peut-être.
Mais oui, bonne idée, Penny, pour découvrir la nature. Un orateur qualifié serait un plus. Peut-être une personne familière avec la nature, désolé, je ne fais que penser à voix haute. Oui, bah, elle me demandera, puis on fera un cours improvisé au gamin. Oh, la mangeuse, bonne vivante, Abigail. Ça va être génial de ne pas avoir à s'inquiéter des récoltes durant cette période de l'année. C'est vite dit, ma grande. Mais ça c'est ok, tu peux passer plus de temps avec moi. Oh, l'autre. Tiens, prends-toi une verrine de confiture. Comment tu es sûr que j'avais faim, ça a l'air délicieux. Mais oui, gourmande. Ah, mes coffres, je vais les faire dans ma maison, mes coffres à moi. Mes coffres à moi, dans ma maison. T'as bien raison. J'ai pas relevé le défi hebdomadaire. J'ai une petite maisonnette, mais plus tard, je sais pas si je l'agrandis ou pas, je verrai. Ah, t'as la commande spéciale nettoyage de la communauté. Ouais, pêcher des déchets. Alors pour faire c'est un pas peu grave, c'est oui. Pas grave. Bah moi je vais faire je vais faire comme dans ma partie sur PS4, je vais faire mon économie dans le minage. Comme Bastos. Ah, tu vas miner. Oh, ça. Une pierre bien rare. C'est une bleue là. Alors, mon pauvre Torotan, t'as snobé avec ton rendez-vous aux égouts. Non, mais c'est pas grave, ça marche pas ce que je voulais faire. Alors, en solo, ça marche, mais pas en coop. Ah ouais. Donc, ouais. Ah, intéressant. Donc, le rendez-vous est annulé. Rendez-vous j'ai est bien annulé. Adressé aux mines. D'accord. Et je montrerai sur un de ces quatre sur ma chaîne. Ouais. Comme ça. Ouais. Okidoki. Merdoum, je suis allé voir Gunther, le musée, mais j'ai oublié le forgeron qui a encore mon outil vite avant qu'il ferme. Mais je suis nul, c'est pas croyable. Je me laisse distraire par tous les trucs du village et je fais pas ce qu'il faut. Ah, en même temps, en même temps que t'as accepté la quête, ça a activé chez moi aussi la quête. Ah, ok, elle est commune. Ouais, les communes. Améliorer les outils. Non, mais les iridium, j'ai pas iridium. Alors la hache en or. Ah, les iridium, c'est chaud à trouver ça. Ouais. Hache en or. Oh, de la chance du minage. Ça. Je croyais. J'avais dit que j'avais la faux en fer. Mais en fait, la faux, je sais pas pourquoi tu peux pas l'améliorer. Elle est pas proposée. Non, c'est pas grave. Franchement, j'ai pris des baskets. Ne fais même pas évoluer ta faux. D'accord. Bah, moi je vais trouver une paire de baskets dans un tonneau en bois, dans les mines. Ah ouais, ok, génial. C'est comme dans mon côté solo PS4, j'ai de la chance avec les tonneaux. Tu m'étonnes. Surtout dans les mines. C'est que du pur hasard, hein, de toute façon. Oui, je le sais. Ouais, mais hasard qui fait bien les choses pour Dragon. Vénard. Ouais. C'est bien. J'ai joli. J'ai bien joué. T'inquiète pas, je fais attention à l'heure aussi, hein. Oui, mon coffre. T'as pas que l'heure à gérer, t'as aussi ton énergie, parce que ça. Mais oui. Ouais. Parce que ça épuise, hein. Oh oui, alors. Si tu fais trop de pêche, trop de minage ou trop de combat, eh ben t'as l'énergie qui descend très vite et du coup. Bah t'es mort et tu perds des trucs. Trop de combat. C'est ça. Mais que t'as pas. Oh, le journal était recyclé en tissu. Mais c'est génial. J'aime cette transformation. Je valide. Ah bon? Ouais, journal. Ah, c'est bon savoir. Ouais. Ah, le journal des trempés, tu veux dire? Ouais. Transformer en tissu. Ah ouais, tiens donc. Ouais, il mène. C'est bizarre. ouais, bah, pourvu que ce soit bizarre plus souvent. Parce que je suis largement gagnant au change, moi, avec ça. Ça me plaît beaucoup. Tiens, je vais ranger le tissu. Ah, une note secrète pour moi. Ça, c'est bien. C'était pas là, mon tissu. Non, c'était mon seul tissu. D'ailleurs, faut que je range mes pompes de lutin. Ah, je fais des bêtises. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Oh, c'est pas rangé dans les bons coffres.
Les bigorneaux sont Ouais, là. ça c'est bon ça, de la topaze dans un coffre en tonneau. La topaze dans un coffre en tonneau. La topaze dans un coffre. Ah oui, Non, d'accord, je vois ce mais critère. la topaze dans, je veux dire, dans un tonneau. Ok. Le temps que ça remonte au cerveau, que j'arrive à avoir une image de ce que tu m'as dit. Il m'a fallu un petit peu de temps là, parce que je suis dans la frénésie de la journée Stardew Valley. Et mon Moi, je suis dans la cerveau. frénésie des mines. Oui. De l'or, de l'or, de l'or, de l'or. Il faudra que j'améliore demain. Chez le forgeron, je sais plus quoi. Alors la pioche, normalement, elle est prête pour le super météore dans le terrain. Pêcher 20 déchets, j'ai 5 jours. Alors pêcher les déchets, il faut que j'aille au niveau 100. Parce que de la mine, il y a le lac chaud, d'eau chaude. Ce qui fait qu'on pêche que des déchets là-bas. Il n'y a pas de poisson dans les eaux chaudes. Non. Au niveau 100. Ouais. Et le C'est un défi, poisson bah, rare aussi qui est dedans. dans les eaux chaudes, un poisson. Ouais, Alors au là, tu niveau 100. m'étonnes. Merde, il est où le météore de mes deux Mais là? il Je est l'ai pas rare, piqué. donc du coup. Ah. Ouais, des bottes en cuir à l'étage 10 de la mine. Ah, je peux aller quasiment au fin fond. Ouais, mais bon, je vais pas me gâcher le plaisir, hein. Tu m'étonnes que le météore il était dur. C'était justement un météore qui contenait plusieurs fragments de l'iridium là, le super métal. Tu m'étonnes que je pouvais pas le péter. Eh ben voilà, Je suis à j'ai l'étage gagné. 11. Je suis à l'étage 11 comme le chiffre préféré de FunFan. C'est ça. Ah, tellement d'agression. Ça, c'est rigolo. C'est là où on voit qu'il y a deux types de chauves-souris. C'est bien. Ils ont fait des variantes de chauves-souris. Elle est flippante, hein, la nouvelle version de la chauve-souris dans Minecraft. Pour ceux qui jouent à Minecraft. Oh là 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 là. Autant la version précédente, elle était plutôt mignonne. Autant la dernière version, elle fout bien la flip. Qu'est-ce que ça va être sport? Attends, c'est. Mais oui, c'est 5 d'un coup. Bah, le minerai là, ça va durer toute la nuit. Bah, c'est bien, j'aurai un deuxième lingot d'iridium. C'est le luxe. C'est le grand luxe. C'est le luxe. Tu m'étonnes. Ah, faut que je range les algues dans le coffre marin. J'ai gagné des algues vertes toutes visqueuses. Toutes. Voilà. Ah, alors les mousses. Ce sera pour le jour prochain. Les mousses. Les mousses. C'est là où on voit que tout d'un coup. Si vous êtes parti, si vous êtes parti coucher, ben je vais sortir dans la, je vais sortir de les mines. Oui, sort des mines. Ouais, je vais aller dans Plumard, moi aussi, effectivement. Parce que là, j'ai Ouais, tu arrives. plutôt bien géré ma Hein, journée. c'est comme dans, c'est comme Fort Boyard. Vite, la clé, la clé! C'est ça. Ouais, non, mais il y a une pression de la vitesse. Vite, non, c'est sort, sort, sort! Tiens, moi, je fais. Ouais, c'est ça. Je suis sur Marnie le soir. Salut Robin, je serai Moi occupé. j'ai fait des. J'ai récolté beaucoup de choses dans les mines ce jour-là. La Cool. journée était Fructueuse. impressionnante. Oui? Il va falloir d'ailleurs que j'y aille à la Je mine. prie. J'ai tellement de choses à faire là-dedans. Dans la mine, dans la mine. Et les horaires qui sont Il va. sortis, là je les ai vus. Il va me falloir des pépites de fer et du charbon Alors, j'ai pour trouvé deux faire carottes, deux des bombes. cavernes, 115 pierres, 21 charbon, 8 minerais de fer, 2 géodes gelés, Et rien que les 21 de charbon, c'est bon ça. 26 minerais de cuivre, 3 géodes classiques, 3 quartz, Très et très aussi bien. j'ai trouvé des bottes de cuir à l'étage 10, et un Elle se topaze. fait pas bouffer. Bravo, C'est bravo. bien joué. J'ai bien joué, j'ai bien tombé. Et là, le jeu se ferme. Oui, j'ai écran noir aussi. Ouch. Ah non, j'ai eu peur. Ah, Arthus, j'ai eu ah peur. oui. Il Il s'illumine faut être. bien la nuit, hein. T'as vu cet écran noir? Tout Ah, quelqu'un a pareil que vendu comme dans du. la vraie C'est vie. qui a vendu le statut de poulet? C'est moi.
Je l'avais en Avec double. une biface de préhistorique, ouais. Oui, c'est des trucs que Gunther a déjà au musée, donc je les balance dans le coffre et puis ça a 50 Et c'est copeques. parti pour la nouvelle journée. C'est surtout que ça me libère mon inventaire. Ouais. Allez, let's go. Hop. Bon, il n'y a pas la reine des sauces à la télé, ça c'est bien. Alors. Ah, mais le poulailler est Ah, j'ai là, il Clint. va. Oui, j'ai Clint qui me parle pour dire oui, quelque chose à faire. Ah, le forgeron. Alors. Oui, forgeron, il est en train de Ah. préparer C'est rien. l'initié. Faut tuer 10 slimes. Il prépare rien, le forgeron, parce 2 que j'ai pas et du tout. construire une fournaise. Ah, c'est intéressant. Bah, je peux, j'ai les ingrédients qu'il faut. Eh ben, si t'as envie de le faire, fais-le, vas-y. Voilà. Tu me conseilles la fournaise de la mettre à l'intérieur ou en extérieur? Tu peux la mettre en Juste, extérieur, c'est pas ouais, pour dérangeant. servir à tout le monde en extérieur. Voilà. Voilà. Ça, je pourrais faire mes premiers lingots. Là, faut que je fasse Est-ce fondre que t'as le un lingot cuir. coffre spécial poisson pour le Oui, stage? c'est les coffres bleus, les coffres maritimes sont bleus. J'en ai un à l'extérieur et un à l'intérieur. Merci. Extérieur, intérieur, tu choisis ce que tu veux. Mais les bleus égale la mer. Exactement. Non, j'ai pas tant de minerais que ça, donc j'ai presque envie de dire honteusement la tâche de minage, je vous les laisse. Je vais aller voir Monsieur Clint, le forgeron, pour qu'il me fasse une hache qualité or. Est-ce que tu as le fossile de Nautil ou pas du tout, le sage? Si j'en ai plusieurs de plusieurs Moi, t'es. qualités. Non, j'ai pas fossile de Nautil, non, désolé. Le sage. Non, mais c'est pour savoir. Parce que moi, j'en ai un, et s'il le veut, parce qu'il ne l'a pas pour sa collection, qu'il me le dise, je lui donne. Alors c'est très C'est gentil, mais surtout je pour crois ça. savoir que je l'ai. Ça J'en ai marche. plusieurs de différentes qualités là. Je vais en avoir un argent, un or, je sais plus quoi. C'est beau coquillage escargot là. Je crois. Hein. Enfin, il y en a plusieurs des crustacés, il y en a Ah plusieurs. merde! Mais j'en ai pas. C'est pas grave, c'est gentil, J'ai. merci. Non, 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 mais moi j'ai fait de bêtises. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, pas si grave que ça, j'ai oublié de prendre de la bouffe avant d'attaquer les mines. Tout fait péter! Alors t'as plus qu'à prier Dragon pour que t'aies un coup de bol et dans ce que tu pètes au niveau des. Surtout des caisses, pas forcément des ennemis, que t'aies des carottes, des cavernes ou de la bouffe, ça peut se produire. C'est rare, mais ça peut se produire. Je me demande si je vais pas le relever le défi de pêche et des déchets. Merde, pourquoi ma. Alors, il faut que je réorganise mon inventaire parce que ma pioche qui est à 15 km et qui est pas à l'emplacement habituel des outils, ça la fout mal. Voilà, un peu d'argent. Allez, au niveau minerai, c'est bien. Arrêt de bus. Ouais, je vais me barrer en. C'est rigolo quand on se croise comme des furies. Ouais, on fait juste coucou, salut. C'est ça, on se claque subtilement dans la main au croisement. Passage de relais. Mais c'est énorme ce qui se. C'est énorme! Ah, C'est mais énorme. si, si je retente un truc, si ce que je pense est correct. C'est le glitch de l'année Non. Ah, que les j'ai trouvé. mouches, le retour des mouches. Oh, c'est Ah. énorme! T'as trouvé un truc, ça y est. Si t'es hilar, ton tas, c'est que t'as trouvé un truc. Ah ouais, non, mais Ah, là, mais c'est je. le glitch de l'année. Ouais, ben moi, c'est invasion de mouches dans les mines. Ouais, ben oui. Alors, attends, je sais même pas comment faire pour. C'est incroyable là ce qui se passe. Toujours des Gros trucs bout de incroyables chez toi, ton mouche. retard. Ouais, oh, mais il est fort, ton retard. Pour éprouver des jeux, il est très très fort. Ouais, non, mais là c'est pas voulu. Honnêtement, c'est par hasard que je découvre ça. Alors,
Déjà, je vais juste baisser le son du jeu parce que mon Oula. Quelques soucis de latence dans Discord. Ah, ça va me faire un peu plus de bien aux oreilles. En fait, le truc qui se passe, c'est que quand là, je suis en train de pêcher. Quand j'ai la PAC, enfin l'hameçon qui mord, y a le poisson qui s'attrape. Et en fait, comme je suis sur mon deuxième écran, et la pêche se fait tout seul. Donc c'est-à-dire que à chaque fois que je ferai une pêche, le résultat sera parfait. Ah, c'est complètement craqué! J'en suis perturbé là d'ailleurs dans mes choix de destination, j'ai tout fait sauf la bonne. Moi j'ai eu un drôle de bug tout à l'heure. J'étais en train de taper une pierre, j'ai trouvé une note secrète et la note secrète elle a foutu le camp dans le mur. Wow! Eh ben dis donc, s'en passe des choses. Attends, tu cliques sur Donc, ton ce écran qui. secondaire et la pêche est parfaite. Ouais. Mais Parce ouais. que j'ai pas touché sur quoi que ce soit pour monter ou descendre le curseur. Ah, mais il faut que la jauge soit ouverte, d'accord. D'accord, parce que je commençais à faire ta théorie, là je suis en pêche et j'essaye ton truc. Alors attends. J'essaye ton glitch. Attends, j'attends que ça morde. Bah évidemment, ça mord plus. Ah voilà. Ah bah j'ai eu un déchet, tiens. Ah ouais, mais comme je suis dans la mer où il y a les déchets, putain, je vais peut-être pas pouvoir tester le glitch Alors maintenant. là, Ouais, non. C'est pas plus marché. il faut être niveau minimum 7 pour pouvoir pêcher le poisson rare que tu as dans le lieu où tu es. Ok, c'est mort, je suis niveau 4. Mais c'est quoi ce glitch de malade? Un jour viendra, mais. Non, mais là, c'est bien, je fais le quota, je fais la quête anti-pollution. Là, je nettoie les eaux du village en amont et je retire toutes les merdes dans l'eau. Faut que j'en fasse 20, hein, je crois. Bah, c'est pas plus mal que je sois en. Que je sois condamné à récolter que des. Voilà, que des merdes. Parce que du coup, je vais le faire plus vite, j'aurais eu le poisson, j'aurais perdu, entre guillemets, du temps. Alors que là, je suis que je suis gagnant à chaque fois, entre guillemets, sachant que mon gain, c'est un déchet. Donc là, j'en suis à 5 déchets sur 20. Moi, j'en ai pas assez de la journée, il faudra que je revienne le lendemain. 6 sur 20. Oui, franchement, le glitch là que t'as découvert, c'est monstrueux. Alors, il faut voir si c'est exclusif au multijoueur. Il faudra que tu réessayes en toi en solo. Voir si c'est une condition requise pour le glitch ou pas. Mais si. Voilà. Et encore, tu me dis que tu joues en clavier. Ça peut jouer aussi l'interface d'entrée de jeu. De contrôle. Moi, je suis à la manette. Peut-être que. Faut voir. Faut vraiment vérifier toutes les conditions de. Du glitch. Eh bien. La pêche, tu veux faire que des parfaits, mais là, c'est bon. Ah ouais, non, mais c'est abusé. C'est là où tu vas voir que de la grosse mise à jour de dans 15 jours va corriger le glitch. Là, tu vas être deg. Bon, allez, je vais reprendre le. Mais bon, je crois que j'en suis à 12. J'en suis à Bon, à 12 partir déchets. de 23... bon, à partir de 23h, je vais rentrer dans la cabane chez moi. Au fond du jardin. Pourquoi je
plus rien là. Ah bah du petit bois, c'est bien, j'en ai trouvé. Parce que sinon je vous aurais demandé du bois, mais bon, je peux en trouver dans la caverne. Eh, hey, je finis par douter là. Le rythme à laquelle je ramasse les déchets, je me demande si finalement je vais pas honorer la quête aujourd'hui. On va voir, je vais faire le point à 22h, si ça vaut le coup que je joue les prolongations ou pas. En plus, la canette, je peux la boire. Ça donne un tout petit peu de regain d'énergie. C'est tout bénef et ça compte comme pour un déchet. Ben oui, non, le déchet, faut le déposer. Ouais, c'est vrai que c'est fourbe. C'est vrai que ça va mettre sous trait de la... du compte total. Hop là, rien, ah, c'est des... J'ai des petites larves qui vont se transformer en mouches. Ah, c'est terrible quand les larves deviennent mouches, ouais, ouais. C'est que t'as pas eu le temps de les trucider avant leur transformation. Métastase, non pas métastase, quelle horreur, ça c'est une phase du cancer. Une chrysalide, on a cherché le terme. Ouais, parce que je me suis dit, ok, d'accord, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est la mouche du cancer du sida, il faut jamais la choper, sinon t'es mort. T'es dans la mort qui tue. La baron lui va dire, tenor.com. Ah oui alors. Oh! Ouais, un petit rubis! Magnifique! Oh la vache! J'ai eu le poisson, je me suis laissé surprendre! Attendez, oh là là, ça m'a perturbé! 16 sur 20! Ouais, non, je vais pas tenter le diable! Je vais revenir! Mais t'as le wagonnet! Oui! Donc ça sera rapide pour rentrer! Bah, il y a intérêt que ce soit rapide! Heureusement que j'ai le wagonnet, oui! Sinon, je me serais manié les fesses plus tôt! La SNCF vous remercie d'avoir pris RER wagonnet. Attends, puis je peux peut-être traiter mes bières, moi. Vous l'avez dans le cul, nous sommes en grève. Bah voyons. Comme disait Sébastien Coé, vous connaissez à son sigle le calendrier des mois de grève à la SNCF. Septembre, novembre, janvier, février. Les vacances. C'est ça. Ça parle mal. Oh, attends, j'ai peut-être oublié une recette de Mamie Délice, là. La reine des sauces. Ouais. Action sur le poisson. Le poisson chat, blablabla, cachette quand il pleut. Rivière proximité du village, mange dans l'eau, pas de chaleur. Oh, j'ai eu. N'essayez pas en été. Ça marchera pas. Ok, merci. Ah, elle fait déjà de l'eau, c'est un mental. Elle récupère son énergie. Regardez la barre d'énergie qui monte. Tout doucement, mais qui se re-remplit. Ah oui. Bon. Est-ce que ça ne serait pas l'heure demain? Oui, non, mais c'est pas grave. Ah, tu gères bien, Torota, bravo. Non, mais je rappelle, pour ceux qui connaissent pas le jeu, le fait de se coucher trop tard ou la minuit vous est déduit votre énergie du lendemain pour cause de nuit trop courte. Et vous tombez dans les vapes toujours à 2h du matin. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe dans le village entre 2h et 6h du mat. C'est impossible. Vous êtes condamné à dormir entre 2h et 6h du mat, c'est la condition du jeu. Ce qui sous-entend qu'il peut se passer beaucoup de choses. Et on raconte que justement le peuple des nains sort la nuit. Donc il doit se passer beaucoup de choses de bizarroïdes sans qu'on le sache de 2h à 6h du mat. Ah, mon niveau 1 de combat, ça c'est bien. Agriculture 12600, la vache. La violence des bières. Ouais, bière Samantha la violente. Voilà, c'est sous cette étiquette que j'en mets mousse. Je suis riche. Et c'est parti pour une nouvelle journée de travail. Oula, je suis bladé dans mon inventaire. Oula, il va falloir que je fasse des coffres, moi. Oulala. Ouille. Ah, je peux faire des coffres en pierre. Ben, ça tombe très bien. Yeah. Je suis à plein en inventaire. Fichtre.
Tu vois, ça va vite, hein. Ça va vite, alors que t'as l'inventaire max des 3 barres. Ah, je viens de savoir ça, je regarde ça. Ah merde, vite l'eau du chien. Et ça, et ça. Ah, je l'ai réveillé, c'est ça. Putain, il a pas peur de dormir dans la neige, lui. Il est coriace, le tonton. Allez. Je vais mettre, hop là, tout ce que j'ai pêché depuis les 2-3 derniers jours dans le machin. Mmh. Donc, le jeu me dit qu'il est déjà mort. C'était quoi la condition de la quête? Merde, la morue, j'aurais dû la mettre dans le frigo. Pêcher des déchets. Oui, c'est ça, mais attends, une fois que t'as pêché les 20 déchets, il faut les déposer. Jeter les déchets dans le bac de recyclage derrière le quai du train. À la gare! Merci pour l'info. La vache, bon, je me précipite en gare déposer les merdouilles. D'accord. Non, bah j'ai donné l'eau au chien, les mousses sont pas prêtes. Écoute, comme c'est. Bah, moi j'ai toujours pas ma canne à pêche, du coup je vais la chercher. Mmh. Je sais où la chercher, hein. Pas besoin de m'indiquer. Gunter le connaît déjà. Donc il faut que je vende ma cuillère à la noix là. Je refonce pêcher à la mine. Pêcher à la mine? Bah oui, tu peux pêcher à la mine. Ah bon? Oui, il y a 3 niveaux de pêche. Respectivement 20, 60 et 100. Sauf que le 100 okay, est très spécial. La centième mare phréatique, je pense qu'on peut appeler ça une mare phréatique, une nappe phréatique, elle est chaude. Parce qu'on est tellement profond qu'on est congelé à la lave. Merde, j'ai merdé. Et Torota vient de m'expliquer qu'il faut avoir le niveau 7 pour pêcher le poisson rare des eaux chaudes, l'unique. Je sais pas ce que c'est. Je pensais qu'il y avait que des déchets dans cette mare, qui est idéal pour la quête de dépolluer les eaux. Je pense que l'astuce est trompée. J'ai quoi comme canne à pêche au fait de base? Ah, c'est en bambou, d'accord. Alors, tu vois. C'est la deuxième qualité qu'il te donne. Torota, je suis niveau 4 en pêche. Et oui. Il m'a proposé de choper un poisson dans la mare d'eau chaude, alors que tu m'as dit qu'il fallait que j'ai le niveau 7. Alors c'est sûrement le niveau requis pour avoir la réussite de la pêche, certes de manière très habile et difficile, mais il m'a proposé de l'avoir au niveau 4, sauf que c'était impossible, le poisson était super... Mais c'est ça. Ouais. Donc c'est... T'as descendu à quel étage de la mine pour pêcher dans les nappes phréatiques? C'est con parce qu'en fait j'ai pas eu le réflexe d'essayer ton glitch, je me suis laissé surprendre par la vigueur du poisson. Et donc je rappelle que les nappes phréatiques dans la mine, il faut aller respectivement au sous-sol 20, 60 ou 100. Si je dis pas de bêtises, la nappe phréatique sous-sol 20, elle est température modérée, elle est classique. La 60, elle est dans les grottes de glace, elle est gelée. Alors, c'est des eaux très froides. Et le sous-sol 100, c'est des eaux chaudes. Donc, c'est potentiellement, on va dire, 95% de déchets. Ce qui me permet d'honorer la quête. Voilà. Wally Wallou, vous savez tout. Oh, j'ai eu un poisson lune. Eh bien. Attends, j'en suis. Poisson lune. Bien. Ah, donc je sais maintenant où ils sont les poissons lunes désormais. Mais ce qui me bouffe, c'est que j'ai eu la canette de soda, donc je l'ai tenté de la garder pour la boire. Voilà. Si je fais ça. Regardez. Monsieur le TTLM de la mine, comment va-t-il? Il veut me proposer un crédit aussi. Moi je trouve que c'est cool de qu'on se fasse un Star de Valais entre amis comme ça. Ah c'est super. Tranquille. Ouais. Ah oui, tu m'étonnes. Puis dans le futur on verra quand ce sera toi l'hébergeur sur PC. Faudra qu'on se calque dans l'agenda, on s'organisera entre nous en message privé, tu me diras, puis on essaierai de m'organiser pour être dispo. Mais ouais, c'est super sympa. Alors tu vois, je fonctionne par semaine virtuelle.
Et une surmaine virtuelle correspond à... Ah bah j'ai perdu le poisson, il était trop vite. Ça, je suis déconcentré. À 2h, 2h30 de jeu temps réel, une semaine virtuelle de Stardew Valley. On voit pas le temps passer tellement que le jeu est bien. Oui. C'est vraiment chronophage comme activité. Putain, c'est bizarre, je ne fais que pêcher des canettes maintenant de soda. Alors que j'ai rempli les conditions de récolte de déchets de la quête des pollutions des eaux. Je suis surpris là, à tour de bras, je suis en train de faire que des canettes de soda. Ça m'intrigue. Moi je suis à l'étage 20 pour pêcher. Ok, oui, donc on est d'accord, d'après toi les eaux sont modérées, c'est la température ambiante classique. Ton bassin n'a pas un aspect gelé. Non. Ouais, bah donc voilà, ce que j'ai dit devait être bon. Nappe phréatique eau tempérée classique, 20e sous-sol. La mare gelée, c'est le 60e sous-sol. Et là où je suis, le 100e sous-sol, c'est la mare chaude. Parce qu'il y a de la lave à proximité. Ah, bah j'ai une nouvelle quête, c'est marqué trop au fond. Pour les attaques de fond de la mine. D'accord. Donc, je crois que j'ai suffisamment pêché de déchets. Hop, dernière prise. Voilà, qui se fait désirer. Les bottes de la toundra. Ah là, allez hop, j'en ai trempé. Moi je bois du soda. Du soda dégueu. Dopage au soda dégueu. Une dague en cristal. Pardon. Waouh. Une dague en cristal. En cristal, oui. Ouais. Ah ouais, c'est une arme. Tu peux trouver dans la mine, effectivement. Bah, non mais il a vraiment le cul de bordé. Nous, notre dragon, là. J'ai dit la... Bah oui, Lévis, ça me porte chance. Ouais, je vois ça. Reviens dans 5 minutes. Oh bah tiens, j'ai trouvé la porte des mines du roi Salomon. Tout est pour moi, allez hop. Allez, je suis là maintenant, le lance-pierre du maître. Ouais, ouais. Évidemment. Énorme. Ça, c'est normal. Vas-y, tranquille, continue. Oh, l'arche. Vas-y, nargue-nous bien. Des bottes marche-feu. Mais c'est pas des bottes marche-feu, on peut marcher. Team aussi. Hein, alors, j'ai eu des bottes marche-feu. Est-ce qu'on peut marcher sur la lave? C'est ça que je me pose la question. Eh bien, cette question te brûle les lèvres. Ah oui, c'était là. Ah, la lame obsidienne. La lame obsidienne. Ah, il m'a laissé 6 sacs poubelles, c'est dégueulasse. Ouais, récompense. Je me disais qu'il y a beaucoup de richesses dans l'eau, blablabla. Oh, j'ai bouffé un fruit toilé. Mais ça, non mais j'hallucine. Ouais. De quoi? Non mais, il a trouvé un fruit étoilé, non mais c'est abusé. Dans la... Ouais, c'est dans la mine, c'est possible. Les bottes de l'espace, waouh. Il a une chance insolente, mais c'est inouï, quoi. C'est incroyable, je ne sais plus ce que j'entends. Ça me rend fou. Alors, je sais pas ce qu'il a, le poisson, là. Tu vas te laisser attraper, poisson de mes deux, là. Merci le sage d'avoir accompli, ça a ajouté 500 pièces dans la cadette commun. Ouais, c'est cool, là. C'est cool, là. Puis symboliquement, les eaux du village sont plus propres, maintenant. Il y a moins de déchets. Après, c'est bizarre que j'ai eu des lags. Des lags, oui mais c'est pas fini. Ouais. N'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Bon, allez-y. Oui, allez, bière blonde. Plouf. Qu'est-ce qu'il y a comme... Ah, élevage d'animaux. Ah, elle a fini la grange. Je veux voir la grange. Elle est où la gouange? Elle était près des cabanes. Oh, le poulailler chez Mimi. Ah oui, c'est vrai, on peut plus passer. Merde, faut que je retienne que je peux plus passer. Oh, le cul-de-sac. Le piège absolu. J'ai créé le cul-de-sac parfait. Bah, je suis content d'avoir la lame obsidienne, au moins. J'aime bien ton fourneau à côté de ta petite maisonnette. Zubida. Et là, c'est les noms des poules. Oh, trop mimi.
Oui, j'aime bien ta fonderie à côté de ta petite maisonnette, Dragon. On dirait que tu as un chauffage d'appoint, c'est rigolo. Ou que tu as externalisé ta chaudière, c'est rigolo. Ouais. Ah, ça fait stylé, j'aime bien. Oh, du sirop d'érable. Non, non, pas d'érable. Merde, un ennemi redoutable ou pas. Voilà, cuit. C'est du pilou. Ah, c'est de la résine, wesh. Non, je veux pas de crédit, je vous l'ai dit, Et ça. empêchez-vous. Non, mais ce qui me rend fou dans les. Vraiment, elle est très limite leur pratique commerciale. Je refais le lien avec la vie réelle. Vous allez dans une grande enseigne d'ameublement, et même si vous payez sur place le prix du meuble, ils vous obligent au moment de payer l'achat de vous faire enregistrer chez l'établissement de crédit, justement. C'est une vente forcée, en fait. Je suis vraiment surpris qu'il y ait comme le 50 millions de consommateurs là. C'est largement attaquable. Il y a des Mais ça limites qui me fait dépassent le penser. Ah, t'es parti Mais... faire la sieste, ouais. Ça Bah, moi me pas fait. encore. Ça me fait penser un peu à Micromania. Pourquoi? Il y avait eu une histoire comme ça d'assurance. Ouais. Quand tu achetais un jeu, par exemple, une console, ils te proposaient des assurances. Oui. Oui, Et ça me parle. il y avait eu une histoire d'arnaque par rapport à ces assurances-là. Et Ah oui, parce qu'à un moment, oui, je sais, je me rappelle, c'est à un moment donné, ça a eu un petit scandale avec ça. du coup, ouais, c'était. Alors, j'ai plus le nom en tête parce que ça, t'as combien de 3 de 3 ans, je crois, un truc comme ça. Oui, avant le Covid, tout ça. C'est à l'époque, D'assurance, ouais. il pensait prendre une assurance de 2 ans pour un jeu ou pour la console, et puis en fait, ça continuait à se retirer, ou c'était un truc comme ça, je crois. Ah, Et c'était ça avait fait. d'accord. Oui, c'était une assurance sous forme d'abonnement et c'était peut-être pas très clair pour le consommateur. Et comme tu avais donné C'est ton ça. autorisation et tes coordonnées bancaires, ils te soutiraient tous les 2 ans le c'était à relancement tacite, c'est-à-dire que si tu te manifestes pas, le contrat est reconduit automatiquement et à chaque date butoir d'échéance dans le cycle annuel, tu te refais débiter, c'est ça? Voilà, je crois que ça doit être ça, ouais. Oui, alors ça, là, c'est quand même. Alors oui, c'est. Voilà, on peut pester. Mais là, c'est quand même à la vigilance du consommateur de bien lire les petites lignes dans les contrats. Parce que, évidemment, personne ne fait, comme on dit, mais c'est un grand tort. Mais oui, il faut faire gaffe. D'ailleurs, dans le coup, lire les petites lignes de contrat et tout, il y avait eu je sais plus qui en Belgique, il y a quelques années, qui avait fait un. Oh, magnifique quand tout le monde s'y met. Bien joué, les La garçons. vache. Ah Ouais. oui. Tiens, il est bizarre celui-là. Ah oui, fossile de notre île. Ouais, j'en ai, ouais. C'est rigolo, la manière dont il est représenté. La pêche, c'est énorme. Oh, t'es terrible, le Torota. Tu es. Oh, poisson de forêt. Je le connais pas, celui-là. T'es allé pêcher dans la forêt secrète, là, quand tu as bûché Ouais, ta. Ouais. j'ai pêché un peu partout. Ben moi, j'ai pas encore accès à la forêt secrète. Ah! Ah, elle vole le coup. J'aime bien le coin. Oh, la hache en or est prête! Ah, bah non, je peux pas me précipiter, il ouvre à 9h. Salut Samantha, merci de m'avoir aidé à nettoyer la vallée. Ah, et! Suite de la quête! Courrier. Merci de m'avoir aidé à nettoyer la vallée, les eaux sont beaucoup plus propres. Je pense que tout le monde vous en sera reconnaissant. Je sais que moi je le suis. En guise de remerciement, je voulais vous apprendre à cultiver votre propre fibre. Ah bon? J'espère que ça Fibre vous sera internet. utile. Ouais. Ah, c'est Linus! Graines de fibre. La Graines de fibre optique fibre. alors. Ouais, non, tu penses bien que c'est pas ça, mais. Non, fibre végétale. Ah non, ouais, non, je disais fibre optique pour la blague. Oui, j'ai compris la vanne. Mais. Graines de fibre. Non, mais je suis très curieux, pardon. Mélange de graines, 5 sèves et de l'argile à planter durant toute l'année. Ne nécessite pas d'arrosage.
à récolter avec une faux. Ah, ça donne de la... De hautes herbes. Attendre 7 jours avant de les récolter. Oh la vache! Ah là, ah c'est sympa! Tu veux provoquer ton foin, tu sais, pour la récolte hivernale dans le silo. Eh ben, tu peux provoquer la pousse des herbes dites sauvages. Eh ben, l'herbe n'est plus si sauvage que ça. Sympa! Je me demande même si tu le savais, Torota. On peut provoquer la pousse des herbes sauvages à récolter à la faux qu'on met ensuite dans le silo qui devient du foin pour les animaux l'hiver. Tu peux cultiver cette plante. Les arbres. Ah, lui dit veut que j'attrape une morue-linge. Oh là, pardon. Et la morue-linge, j'y crois pas du tout. Morue-linge ou lave-linge ou... Gagne une canette de soda que je bois honteusement devant lui. Always soda, soda. Oui, je lâche un or. Merci, monsieur. Alors, un iridium. Bon, l'iridium, c'est... Oh, arrosoir d'acier. Ça peut être astucieux d'améliorer l'arrosoir. Je crois qu'il gagne en capacité, je crois, d'arrosage. Oui, effectivement, tu pourras faire une case, ça pourrait être 2, 3, 4. Oui, bah, je vais me faire un arrosoir en or, histoire d'avoir la grosse, grosse capacité, ce qui me permettra d'avoir des grosses récoltes au printemps à venir et m'éviter de faire des allers-retours. Ça peut pas être débile, mais stratégiquement, c'est hyper important. Je vais tout de suite améliorer mon arrosoir. Donc, je commence... Merde, ah merde, j'ai pas assez de lingots. Il faut que j'aille en faire fondre et que j'aille en chercher à la mine. Merde. Ah, parce que t'as fait des coffres dans la mine. Non, non, non. Tu as mal compris mon propos. Je n'ai plus assez de lingots de métaux raffinés dans mes coffres. Pour pallier ce manque, je dois retrouver du minerai. Donc, aller à la mine. Voilà. Reformuler, c'est peut-être plus clair. Excusez-moi, messieurs, dames. Et parlez-vous le suisse touch. Les charbons vivants, c'est pas ça que je veux, moi je veux du minerai de fer. Fer argent là, entre niveau 40 et 80. C'est pour ça que je suis allé au niveau 65. Je pensais avoir une bonne chance d'avoir un truc, mais j'ai même pas de filon. Mais non, mais ce jeu de bugue de bœuf. Je dis non à ce jeu de bugue de bœuf. Eh oui, tu me connais, mon langage puéril que quand j'étais petit, que ma maman m'a mis au monde. Tu n'étais pas grand. C'est ça, mon premier caca bleu, mon premier ouin, et ensuite bugue bugue bugue. Évidemment, les balbutiements du premier langage humain. Exactement. C'est terrible. Ça m'est resté. C'est d'où terrible. Les problèmes informatiques, bugue bugue. Ouais, c'est ça. Excellent. Bien vu, bravo. Elle est bonne. Valide. Je valide. Aïe, aïe, aïe. C'est n'importe quoi. Bon alors, mon minerai de fer argent. Je suis content de récolter du quartz, mais j'aimerais avoir un filon. Ah, en blanc. Je la veux, moi, mon arrosoir en... Ah, voilà qui est mieux. Tiens, d'ailleurs, c'est là où je devrais boire mon café. Comme ça, je vais pouvoir me déplacer plus vite dans les mines. Ah oui, c'est sympa. Ah, j'aime beaucoup le dopage. Oula, oui, épée en main, je pense que je peux esquiver les ennemis et leur fondre dessus et leur patater la bouche. Ça me plaît beaucoup. Ah oui, vive le café. Il faut que je fasse une culture de café et j'aurai que des cafés pour moi toute l'année. Et d'ailleurs, je pense là aussi que c'est une stratégie. Non, mais je rigole, mais... Je crains de devoir dire vrai. L'avantage de pouvoir courir et d'étaler comme un fou. Tiens, ils se barrent. Les ennemis se barrent à ma vue. Je leur fais peur tellement que je détale à fond sur eux.
Alors là, je vous prends un témoin. On a vu les ennemis partir à l'opposé de ma position dès qu'ils m'ont vu courir vers eux. Elle est pas mal. Ça devient gaguesque comme dans les dessins animés. Oh, une larme gelée. Le petit cadeau. Petit cadeau. Allez, zo. Vite. Sous-sol suivant. Je veux récolter un max. Ah bah c'est bien, l'ennemi s'est transformé en échelle vers le sous-sol suivant. Merde, il y a un fantôme. J'avais oublié qu'il y avait des âmes perdues par ici. Tac. Oula, je l'ai trop ciblé le fantôme. À peine deux coups et... Une colonie de crabes envahissent la mine locale, menaçant la faune indigène. Ces créatures sont réputées pour se déguiser en pierre. Je paierai pour en tuer trois, Démétrius. Ah oui, c'est le scientifique. J'ai pris la quête. La charpentière, ouais, les crabes. Ah, pardon, excusez-moi. Alors, les crabes de mine sont des créatures. Leur carapace. Ah, t'as deux étoiles au centre communautaire, ça c'est pas mal. Leur carapace, oui, merci du compliment. Leur carapace, en fait, c'est un rocher, là, tel que vous les voyez. Et il y a une scène qui est rigolote, je sais même pas si tu la connais, Torota. C'est de mettre à poil un de ces crabes de roche. La technique consiste à faire péter une bombe, qu'elle soit petite ou méga bombe. En fait, si le crabe de roche est à côté ou dans le rayon d'action de la bombe, c'est sa pierre qui lui sert de coque, de carapace, qui va gicler, mais pas lui. Lui va rester vivant. Et ben, vous allez voir la créature à poil sans la carapace de pierre. Vous allez voir que d'une, elle va devenir peureuse et qu'elle a un aspect particulier. Ça te parle, Torota ? J'ai une scénette. Ah, t'as une scénette dans le dos ? Une scénette du vieux qui s'appelle Linus, là. Ah oui, Linus, ouais. Ouais, qui fait trempette dans l'eau glacée. Il pêche à sa manière. Ah, fait trempette dans l'eau glacée, c'est ce que je viens de voir. Ouais, d'accord, non mais c'est bien, il se fait plaisir. En général, il se contente de la pluie d'été pour se doucher, mais... Ce que faisaient probablement nos ancêtres, d'ailleurs. Il se fait déjà nuit, il faut rentrer à la maison. Mais j'ai à peine commencé ma journée. Pourquoi j'ai un malus de mort, moi? C'est quoi le... Ah, ça veut dire que je suis dans un... Oui, dans un niveau où il y a plein d'ennemis, c'est ça. Je comprenais pas pourquoi j'avais un symbole de tête de mort qui bougeait dans mon interface. Oui, ça veut dire que t'es obligé d'éliminer tous les ennemis avant de pouvoir libérer le passage. Ouais, que j'ai la guerre. Que j'ai la guerre, même chez... Et après, il y a un chemin qui est apparu. Qui va apparaître, et du coup, le chemin en question, ben. Ah oui. C'est facile à savoir. Le chemin apparu, poil au U, c'est le dernier ennemi, ouais, trucidé. Bon, allez, je vais rentrer parce que je pense que j'ai suffisamment de minerais. Oui, bien le café. Bien, le café. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? On va essayer d'agrandir la grange. Le poulailler. Oui, bah on pour va faire poulailler, plus vas-y. De place dedans. On va agrandir le poulailler. C'est pour qu'on puisse mettre des canards dedans. Oh, ça m'embouche un coin. C'est merveilleux. Les petits canetons, ça va être beau à regarder. Bon, pardon, excusez-moi, j'ai eu un rototo. Vous pouvez mettre dans un poulailler. Quoi, vous êtes déjà couché comme les poules à 20h, vous êtes sérieux? Bah écoute. Non, mais c'est moi, c'est à cause de l'énergie. Mais prenez votre temps, moi je vais m'absenter deux petites minutes. Non, mais je t'en prie, ok, pas de soucis. Salut, tu vas se coucher comme les poules. Moi je lui donne raison. Attendez, moi je réfléchis, attendez, magicien. Magicien du soir.
Alors, les racines d'hiver. Oula, attention, le micro de Tourota qui est un peu trop sensible. Bon, on entend qu'il est en conversation familiale en arrière-plan dans la pièce d'à côté. C'est ou une télé qui est allumée. Ouais. Ou la télé. C'est même. Ouais, on pourrait croire ça, mais c'est limite, faut faire gaffe. C'est vrai que c'est traître les microphones. C'est limite si on n'entend pas distinctement l'échange qu'il a avec le monde de sa famille. Le temps clair en CI toute la journée. Merde, j'ai oublié de regarder les mousses. Ouais, il est interdit d'aller me pioter tant que je suis pas allé voir la brasserie. Enfin, la brasserie, non, c'est la brasserie, c'est là où tu consommes. La distillerie. Ah non, c'est pas prêt. Est-ce que j'ai fait la champignon grotte? Ah non, j'avais pas fait la grotte aux champignons. Par acquis de conscience, j'ai bien fait de revérifier. J'en reviens pas le coup du train tout à l'heure. Les ouais, j'ai vu ça, oui. Ouais. Le train était généreux. Alors je suis avec vous, j'ai le grand plaisir d'être en multi, mais je me pose la question si la condition est valable aussi en solo. Pour le train? Ouais. Est-ce que c'est pareil en solo? Je me pose vraiment la question. Je pense que oui. Ouais. Si tu as en pro, je pense que tu peux aussi l'avoir en solo. Enfin, vous me direz, c'est vrai que l'intérêt, c'est qu'ils l'annoncent. C'est pas pour rien. S'ils disent attention, un train arrive dans le village, c'est que c'est une quête, voilà, il faut en profiter. Sinon, ce serait pas annoncé, il y aurait pas d'intérêt. Donc, ça se tient. C'est un événement perturbateur joyeux, quoi, en disant « Ah, vous aviez préparé votre journée, vous pensiez faire ça ?» Eh ben non, pas. Quête surprise du train, un peu comme sur Twitch, j'ai envie de dire. Le train de la hype. Et puis hop, vous êtes gâtés à donf. Eh bien, qui folie. Bon, bah, c'est pas pour aujourd'hui, les mousses, c'est pas grave. C'est pas grave, on est riches. Ah, attention, dernière semaine virtuelle. Mais je vous annonce déjà qu'on va enchaîner une deuxième semaine virtuelle, hein, évidemment. Il n'est que entre guillemets. J'arrive, j'ai vu que vous êtes couché, j'arrive. 18h30. Alors, désolé si je mange un tout petit peu, mais. Bah, non, mais merde. Tu fais extra. Comme tu veux, sois pas de. T'inquiète pas. Des très bonnes crêpes. Vénard. Oh, oui. J'aimerais bien manger une bonne crêpe, mais vous savez, au blé noir et salé, fromage, oui. Jambon, avec quelques fines herbes. Oh, une tuerie. Tiens, il faudra peut-être que j'essaie de m'en faire dans mes prochaines courses. Mais tu fais ça aussi avec un petit peu de béchamel. Je suis pas fan. Ouais. Béchamel, je suis pas fan. Tu vois, c'est, je suis neutre. Tu me le sers par politesse, je le mangerai, mais avec peu de plaisir. Et je me resservirai pas, et c'est pas moi qui me la ferai, tu vois. Et qui passe coucher. Ah si, c'est bon. Alors, pour en laisser aux autres, tu en tartines partout de... Ah, il y a la reine des sauces. Alors, la reine des sauces, elle va nous donner la recette de la béchamel. Hein? Elle a dîné hier soir avec deux rugis. Elle nous donne la recette de bisque de homard, l'autre bourge. Ah mon dieu, ça parle mal. Aïe aïe aïe. Aïe. Courrier. Dès demain, une flotte marchande itinérante. Ah oui! Le spectacle des sirènes. Ouais, j'avais oublié. Moi j'ai le truc. Mes sources me disent que tu traînes dans l'ancien centre communautaire. Pourquoi tu viendrais pas rendre visite? J'habite à l'ouest du lac de la forêt dans la tour de pierre. Peut-être que j'ai des informations concernant ton problème de rat. Ah, le sorcier. Ah oui, c'est la toute première quête. Ouais. Dès demain, une flotte marchandise itinérante accostera à Pelicanville. Ah, ça c'est chouette. Oui. Rencontrer le sorcier. Oh bah, je vais de... Oui. Ou le cri de... Le cri de... Le cri de surprise. Surprise, ouais, pardon de vous avoir interrompu. Mais en fait, alors c'est un truc finalement que j'ai déjà eu, parce qu'il me dit pas que Gunther demande à identifier. J'ai déterré un tambour antique, mais tambour l'instrument de musique. Oui.
Ah oui, oui. Et je l'avais déjà, bien. En fait. Je me souviens pas que j'avais ça. Ah, oh, mon dieu. Je suis troublé. J'ai ta cinématique de tout à l'heure, Dragon. Oh. Linus dans la flotte. Est-ce que c'est une scène indécente? Ah. Je sais pas, il dit ah, ça fait du bien, il y a plein de petites bulles à côté, je comprends pas. Oh la vache! Waouh! Il fait un jacuzzi. C'est par, contre, vrai. Par contre, là je suis choqué. Je suis tenté de prendre une bague de. La recette de la bague de mariage. La bague de mariage, tu veux te marier avec quelqu'un? Non, mais je peux avoir la recette. Ah, la recette! Ah, ouais. Bah oui, prends-la. C'est énorme. Alors, il faut 5 lingots en iridium et un tason prismatique. Ouais, évidemment, les trucs les plus rares. Ah oui, évidemment. Allez, hop, ça c'est, hop, c'est fait. Carpe de minuit, une pile. Bah, des piles, pas besoin, bah, je sais où en avoir, hein. Je suis un crétin. Tiens, d'ailleurs, je suis tellement crétin. Parce que je me suis présenté j'ai oublié de prendre ce qu'il fallait pour transformer mon arrosoir. Oui, j'étais vilain, j'ai donné le tambour dont j'ai rien pété au forgeron qui m'a fait la gueule. J'ai pris mon très très vilain. Merde, j'ai oublié de prendre mes lingots de fer pour transformer mon arrosoir. Ah. Bon, j'espère que j'ai donné de l'eau au chien parce que le pauvre, il n'en aura pas demain. À mon avis, mon arrosoir, il n'est pas prêt avant 2 jours. Oui, il a eu son eau. Alors, mes 5 lingots de fer. Mes derniers lingots de fer. Merde, il faudra que je retourne à la mine. Oh, mais nul le mec, je sais pas jouer, c'est déplorable. J'ai fait la rencontre du sorcier, bah je suis content. J'ai une autre scénette dans les égouts. Oh, tu les enchaînes, c'est parce que tu viens de te connecter à nous. Ouais, il dit pourquoi c'est verrouillé? Les enfants qui disent. Okay. Ouais, Jazz et Vincent. Ah, les 3 crabes, ah oui, je dois faire le truc des 3 crabes ces derniers jours. Oh putain, oui. Pardon. oui. Je passe ça, le truc des crabes. Mmh. Ah, oui. La voleuse, tu es en pince pour cette quête. Je sais, elle était facile. Oui. Classique de langue française. Mmh. Je fais nappe. Non, allez, sérieusement, ne gâchons pas le temps de journée. Qu'est-ce que je fais? Minage, j'ai envie de dire minage parce que ça va me. En manque de lingots d'argent. Ouais. Et t'enchaînes pêche, je présume, Torota. Merci, Torota. Oui, tout à fait. Ah. Oh! Non, je coupe le micro, c'est juste pour pas que vous m'entendiez manger, surtout. Ah oui, bonne app. Oui, moi je comprends bien. Bonne clap à toi, t'as raison, bonne app. Pardon, je te l'ai même pas souhaité. Eh oui, je vois la silhouette de Linus. Ah, mais oui. Eh oui, il a déposé son froc sur le bas-côté. Ah, mais je te vois pêcher. Je te vois pêcher en bas de l'écran, c'est excellent. Stylé. Eh ben c'est bien, c'est beau, tout le monde est heureux. Puis lui, il est peinard dans les eaux glacées. C'est vivifiant, hein. Alors faut faire attention. Mais c'est vivifiant de prendre des douches glacées. C'est excellent. Qui a posé une statue de squelette dans le coin? Oui, je l'avais. Devant une entrée. Puis, ouais, c'est une grotte qui est dangereuse, mais Torota me dit que je peux le faire en un coup. Et je l'avais scellé avec la statue en me disant qu'un jour j'irai affronter les grands dangers, mais je l'ai pas encore fait, tu vois. Oui, donc je disais que les douches glacées, ou même bains glacés, c'est très bon pour la circulation sanguine, mais il faut faire attention à l'entrée dans le bain, parce que c'est évidemment un choc thermique pour votre corps. Il faut surtout pas provoquer une hypothermie ou un choc, j'allais dire un choc cadavérique, un choc cardiaque. Il faut progressivement se... Alors l'idéal, c'est de se mouiller avec un gant de toilette tout le corps avec de l'eau froide
Ça fera déjà adapter votre corps au fait qu'il va comprendre qu'il va, entre guillemets, avoir une agression de baisse de température. Et ensuite, progressivement, si c'est un bain ou comme une douche, vous commencez par les pieds et vous montez progressivement jusqu'au cou et la tête, mais doucement. Il faut surtout pas que vous ayez un emballement du rythme cardiaque. Mais une fois que vous maîtrisez ça, c'est très bon pour la santé. Voili, voilou, vous savez tout. En Scandinavie, là, je sais plus, les trois pays, Norvège, Suède, Finlande, ils font souvent des bains ensemble dans les fjords. En dehors des saunas ou des montagnes bouillantées. Alors, le coup du sauna, je le ferai jamais. Moi, perso, je désapprouve. Mais bon, je suis pas médecin, je peux pas juger. Mais ils font justement les douches glacées dans les fjords. Souvent, il y a l'image qui est publiée à la télé. Je me souviens quand j'étais plus jeune. Je sais pas si ils le font encore. Non, c'est bon pour la santé. Sous condition. Les conditions que je vous ai émises. Les bains chez eux, ils sont fous. Je sais pas comment ils font, mais c'est des tarés. Oh purée. Oh purée, l'horreur que c'est que je dois te voir. Qu'est-ce que c'est cette cochonnerie? C'est une bonne question dont on n'a pas la réponse parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles. Vous allez peut-être me dire que je suis un peu fou parce que je suis en train de tenter mon premier niveau des mines super méga dangereuses. Ah bon? Ouais. Me tente. Je suis en train de me tenter. Eh ben, bon tentage de mines super dangereuses. Moi, je suis content. Parce que je viens de voir des crabes volants là, c'est terrible. Des crabes volants? Ah oui, c'est d'une rare violence. Si les crabes se mettent à voler. Non, des crânes. Des crânes de squelettes. Ah oui, les crânes, volants. Oui. Ah ouais. C'est vrai horreur ça. Les crabes. Ça remplace les chauves-souris. Ah oui, carrément. Eh ben voilà. Ouf, enfin. J'ai hâte de faire le clip de ma session de jeu sous Starbound de hier matin. Avec Petit Seb et Christella. Parce qu'à un moment, Petit Seb s'était téléporté et sur son point d'arrivée de téléportation, il y avait un pauvre escargot au sol. Et l'escargot, il a giclé. Mais c'était dingue. C'est de voir un escargot volant, c'était wouh! Ben, en tapant la tête de squelette, il m'a droppé une bague de rubis. Le bijou? Oui. Ah ouais? Carrément. Okay. Je t'ai dit, j'ai de la chance dans l'île, c'est pas possible. Ah oui, non, mais je savais même pas que c'était possible, mais oui, pourquoi pas. Oula, il y a une sale chauve-souris. Oui, t'inquiète pas. Qu'est-ce que je veux? Hop. Je vais voir. Rien que pour vous, messieurs. Par contre. Tout va bien. J'ai juste une capture d'écran. Oh, moi, je suis triste de ma récolte, moi. J'ai pas eu de chance, je trouve. Oh, le lapinou. Oh, il y a où le lapinou? Oui. Je suis choqué. Comment ça, t'es choqué? Je suis arrivé au fin fond de la pièce. Oui. Il y avait une espèce de faucheuse. Je me suis dit, la mort. Qu'est-ce que c'est? La mort qui m'attend ou pas? Garcia? Marcia? Mathias? Si je vous dis, ça sera pas une surprise parce que j'ai pas envie de vous spoil non plus. Oui, merci de pas divulguer. Voilà. Mais visiblement, c'est surprenant comme expérience. Oui, bon, et j'ai réussi. Vous avez une quête de terminer. Pour moi, j'ai réussi à faire cette expérience des mines super difficiles. Avec des ennemis infernales. Infernaux, pardon. Infernaux, je dis oui. Je veux dire infernaux. Parce qu'infernal, lui, c'est quand il est seul. C'est ça, singulier. C'est vrai. Waouh! Et bon, j'ai intérêt de ressortir de là.
Voilà, je suis content d'avoir réalisé mon succès, je veux dire. Oui, j'ai failli dire ton rêve. Ah bon? Rencontrer la faucheuse, lui, il est fou. Surtout pas. J'ai fait une capture d'écran, justement. Ah, un souvenir. Un Et je souvenir. pense que si jamais un jour vous avez l'occasion Croiser la faucheuse, oui, on lui passe un de bonjour. croiser la faucheuse, vous serez pas déçu. Ah oui, en général, oui, certains diront que ça te laisse de marbre, malheureusement, mais oui. Oui, vous serez pas déçu. Ah Je n'en dis oui, pas plus. elle non plus. Quelle horreur. Oh mon Dieu. Mince. Ah, excellent. Aïe 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 aïe. Vous m'aurez tout fait, les copains. Au secours. Au secours, On je a vous perdu le retrouve. sage. Ah oui. Ah oui. J'ai envie de dire, vous m'avez perdu dès le premier jour où je me suis mis à diffuser sur Twitch. L'expérience est trop bonne. Non mais qu'est-ce qui te prend? Mais il est fou. Il est fou, ce garçon. Il essaye de défoncer ma porte à coups de faux. Mais c'est fini, oui. Il n'a pas tué quoi? Au secours! Tiens, je vais te donner une émeraude. Regarde bien ce qui se passe plutôt. Bah, tu es en train de d'aller au-delà de la porte et après. Oui, mais là, après, je te vois plus. Qui passe au-delà de la Non! porte. Il est en train de passer à travers le mur et de provoquer un glitch. Il est en train de glisser pixel par pixel. Il est passé où? Il est passé dans la Non, je suis quatrième sorti. dimension. Ah Ah, mon Dieu. normalement, je peux Ah passer de l'autre côté. Ah oui, il est minuit, par contre, demain matin. il est extraordinaire. Incroyable. Quand je vous dis que ton retard arrive à trouver tous les glitches et tout le truc, c'est fou. C'est incroyable. Eh C'est ben, incroyable. il va falloir donner un coup de main au développeur hein, du jeu Ah oui, pour vous alors. corriger tout ça. Vite, il reste Eh 15 ben, il jours serait avant la récompensé publication en argent, hein. réelle. Oh, ça Ben, il chute, serait hein. récompensé parce J'essaie. que sachant que maintenant il y a des entreprises de jeux vidéo, t'es payé à chercher des bugs. Oui, alors pas que de Ouais, jeux mais vidéo. il y a des choses qui ont été faites exprès aussi. Oui. Mais quand même. Peut-être que. Et encore, t'as pas tout vu, c'est juste parce que je suis sorti. Ah mon Dieu! Ben là, prenons l'exemple de GTA 5 Online. Il y a récemment, ils étaient victimes d'un gros souci technique. Il y a eu des gens malhonnêtes, hein, dits hackers, Les pirates, ouais. ouais, les pirates informatiques, hein, ils ont trouvé le moyen de glitcher complètement le serveur de GTA Online et tout le bordel. Oui, mais attends, c'est des hackers qui ont fait ça. Là, c'est pas des hackers. Mais une personne honnête a donné un coup de main à Rockstar pour pouvoir justement corriger les failles de sécurité du serveur. Il a été récompensé de 20 000 dollars. Hein. Ouais, c'est sympa, moi, c'est honnête. Oui, voilà. Mais il y a des informaticiens qui font aujourd'hui dans la sécurité informatique qui ont démarré leur carrière comme ça. C'est-à-dire que ces gens, c'est des jeunots de moins de 20 ans qui ont réussi un coup de maître, un tour de force, mais honnêtement qui ont dit, oh, c'est moi, je veux pas vous faire de mal, mais faites gaffe, votre truc c'est une passoire. Bon, tiens, tu peux rentrer chez toi, le sage, si tu veux. Et il y en a qui ont démarré avec succès leur carrière comme ça en sécurité informatique. Oh putain, c'est pas vrai. Oh wow, c'est psychédélique! Ton retard est devenu un fantôme! Oh mon Dieu! Tiens, je regarde un épisode télé pendant que tu fais le Non mais fantôme. sérieux? Mais comment il a fait pour traverser le mur? C'est troublant, hein? C'est troublant. Mais comment t'as fait? Alors, besoin d'un pas, construire vous-même une boîte à verre. Ah, une boîte à verre! Comment on construit une boîte à verre? Oh mon Dieu, il faut être copain avec Willy pour qu'il donne la recette. Mais comment t'as fait? Il a glitché. Dis-nous tout. Et voilà, je suis ressorti. Il y en a qui ont glissé et d'autres qui ont Tu prends ta glitché. faux. En fait, quand tu prends ta faux, si tu regardes, tu fais des petits pas en avant. Ah, ouais. Et tu casses la limite contrainte de mur. Tu Voilà, passes au à travers lieu que le mur. le jeu. Voilà, le jeu ne croit pas.
pense que tu fais une action avec la faux, mais il faut que tu le fasses du côté de la porte. Ah là là, après, il y en a une autre. Enfin, il y en a plusieurs, mais bon. Oui. Je vais pas tout dévoiler maintenant. Ça serait pas drôle. C'est déjà beaucoup. Oh, du sirop d'érable. Et ça coûte bonbon, hein, le sirop d'érable. Je suis allé en course, c'est marrant, je suis tombé sur le rayon du sirop d'érable il y a pas longtemps en course. Et le prix du litre, bon, vous me direz, c'est vrai que la nature... Mais c'est un luxe, le sirop d'érable. Qu'est-ce que je voulais, c'est 60 euros du litre, je crois. Moi aussi, je sais ce que... On va essayer de faire ça. Salut Gunther, je viens de te faire put et je m'en vais. En fait, j'ai plus rien à faire. Bon allez, je vais aller voir la quête hebdomadaire. Ça marche pas ton truc là. Peut-être que tu ne le maîtrises pas. Ah, il suffit de bien s'y prendre. Eh oui, voilà. Ne t'offense pas, Dragon. T'as peut-être pas maîtrisé. Non, je dis mais ça marche pas. Je m'offense pas, mais ça marche pas. Ouais. Ça ne marche point. Si, mais en fait, il faut que tu sois juste à la limite du passage de la porte, mais que tu passes pas la porte. C'est toute une technique. Oh merde, tout le monde. Fragment du passé, quoi. Ossement pour les études. Oh là là. Ouais, va y avoir le spectacle des sirènes. Mettre les ossements dans la boîte de dépôt à la réception du musée. Ouais. Tiens, des ossements. Je bois mon café pour aller. Ah, puis j'aurai un café gratuit au festival ce soir. Génial, je carbure au café toute la semaine. Ouais. Samantha, la femme qui court le plus vite, plus rapidement que Usain Bolt dans le village. Ouais. Je veux du minerai de fer. Allez mourir les vilains, je veux mon minerai de fer. Je crois que le minerai de fer se trouve en étage 50, je crois, il me semble. Ouais, entre 40 et 80, ouais. Bah, si tu l'avais pas compris, si tu veux, Dragon, c'est en... Les minerais principaux sont le cuivre, le fer argent et l'or. Et t'as 120 sous-sols dans la grotte, dans la montagne du village. Donc... Ah oui, et j'ai un fantôme qui m'a donné un poisson spectral. Ah oui, ça m'est déjà arrivé, ça. Salut. Alors ça, par contre, garde-le, parce qu'il y en aura besoin pour la quête... finale. Du... C'est la quête non, pour le... du poisson spectral. Mais je garderai, t'inquiète pas, précieusement. Oh mon dieu. Bref, je disais, trois minéraux de base, le cuivre, puis le fer argent, puis l'or, et il se trouve qu'on a 120 sous-sols. Ah ah, coïncidence. Alors, si je fais mon professeur, mon malin, comme petit Seb, excusez-moi du peu, pour pas le nommer, c'est parce que je l'ai lu dans un bouquin de la bibliothèque. Ils te le disent à la bibliothèque, à un moment, c'est l'utère, le bon bouquin. Ils t'expliquent que ces trois minéraux de base... sont répartis dans les sous-sols de la grotte du village. Donc 120 divisé par 3, ça fait 40. D'où les intervalles pour chaque minerai. 0 à 40 le cuivre, 40 à 80 le fer argent, et de 80 à 120 l'or. Voilà, voilà, vous savez tout. Et ça, quelle heure le festival là? 22h, le festival de soirée avec les bateaux et les commerçants. Ouais, ouais. Attends, moi j'essaie de faire la quête des squelettes et des nonos. Il m'en faut 100. Ah, attends, mon compteur il est où? Merde, mon compteur il est pas. J'aimerais avoir mon compteur à vue. Ah, on est à 7. Ouais, on est à 7. Merci. Mais je vais mettre ma récolte à vue là, voilà, au niveau de l'inventaire. Mais c'est dommage, j'ai négligé l'ennemi, j'aurais dû le patater parce qu'en général ça donne du charbon, et le charbon est précieux comme beaucoup de choses dans le jeu. Je suis content d'avoir mon item secret. Bravo monsieur, item secret. Dans les mines méga dangereuses, on m'avait bloqué au préalable l'accès, que j'ai refermé l'accès justement. Oh, là où on a creusé, on a rebouché comme disait le député belge d'Ardennes.
C'était un sacré loustique, ce mec. Alors, ce qui était triste et qui provoquait la moquerie du public, c'est que le pauvre souffrait d'alcoolisme. Mais alors, c'est un sacré comique, le gars. À mon avis, il réussissait pas en politique. Il faisait humoriste. Enfin bon, bref. Paix à son âme, parce que le malheureux, justement, est mort de ses excès d'alcool depuis. Oh, déjà ? Ah ouais, 17h, pardon, je dis des bêtises. Oh, vache. Alors, je confonds avec un autre festival de nuit qui est à 22h. Je pense que c'est pas les Méduses de la fin de l'hiver, qui est à 22h, en fait. Oui. Voilà, vous m'aurez corrigé, j'ai dit encore une sottise. Ah oui, c'est 17h minuit, en fait. Enfin, au-delà de minuit, peut-être, mais... À partir de 17h, ouais. Ah bah non, bah oui, bah, je vais aller profiter du festival, parce que... Le temps de faire le tour des achats, et comme là, on peut pas faire pause durant le multijoueur... Attends, je zigouille mon dernier squelette. Surtout que mon café va cesser de faire effet, donc merde. Ah, vite, je vais détaler très vite. Vite, dopage café court. Bah moi, j'y suis déjà à la fête. Ça me fait penser à la chanson du village. Ça va être ta fête. Veux-tu bien un café gratuit? Allez, vas-y. Un café gratuit aussi. Ouais, attends donc, si ça se tasse, moi aussi j'ai du grain à moudre. Alors, sous-marin, c'est pour quoi faire, du coup? Surtout faire le tour. C'est pour On faire un tour de pêche en eau profonde. Ouais. Alors faites-vous plaisir, hein, on a pas mal de fric. S'il y a des trucs qui vous intéressent, allez-y, parce qu'il y a plusieurs marchands. Là, c'est très drôle, parce que il a payé une fois, et on est deux dedans. C'est vrai? On l'aime, ouais. Bien. Il se fait entuber d'une personne, c'est génial. Non, mais c'est bien joué, bravo, c'est malin. Et puis c'est oui, parti. Je vais faire des cadeaux. Oh, je vais gâter tout le monde. J'ai plein de verrines de bouffe, enfin de verrines de confiture. Je séduis tout le monde. Allez, tournée générale. Non, pas les marchands. Alors, parce que tu vas. Pas. Oui. Tu risques de pêcher. Ah, bah là, le poisson est trop fort. Je peux pas. Allez, hop, cadeau. J'offre de la gelée. Alors, gros œuf, plancher de cristal, slime, lingot de cuivre, racine pile. Oh, bonbon canneberge, ça présente bien. Des escargots. J'ai un poisson espion, si ça vous dit. Au bord d'un cul à perfection. Oh, j'ai un plat d'escargot pour être meilleur en pêche. Je le prends. Pilier en céramique. Wow, 2500. Oh, c'est abusé. Ouais, une fois, j'avais vu dans une de mes parties, vous avez le clip, normalement. Il proposait des piliers en or, en déco. Carrément. Graines de panais. Des quoi, en or? Des piliers de maison. Tu peux ah avoir oui. des piliers en oui, or. Oui, oui, oui. Façon palais Midas, tu vois. Ouais. Le truc énorme. Ouais. Exactement. Le poisson, il me troll depuis tout à l'heure. L'année suivante. Non, c'est parce que là, comme c'est en profondeur, tu vas avoir du mal parce qu'il faut avoir un haut niveau pour ça. Bah, j'ai pas du tout le niveau. Je fais quoi? Est-ce que je remonte ou pas? Ben attends, parce que là, ça fait cher. Je crois que c'est 1000, c'est ça que tu payes pour descendre. Donc, mieux vaut en profiter jusqu'à au moins 23 pour essayer de ramener un maximum de poissons. Normal, est-ce que t'as une meilleure canne à pêche que moi? Ah, mais t'inquiète pas, il va falloir que tu montes de niveau en pêche. Il faut que tu fasses beaucoup de pêche et puis tu verras après les poissons seront beaucoup plus faciles à récupérer. Oh! Un blabla chifiche, c'est quoi ça? Blobfish. Un blobfish. Qu'est-ce que blobfish? Ah ben, moi je pêche que dalle. Hein. C'est. Ouais. C'est un peu. La tête d'une sirène, tu sais, entre guillemets, une sirène ici. Quand tu regardes c'est des infos, mais des fausses infos, je pense, parce qu'il te montre une tête de ce truc-là, justement. Ouais, il faudrait que je pêche. Oui, trois cafés gourmands. Oui, c'est ça, Tunsen.
Ok, fait gourmand, mon dieu. J'en ai fait zéro de l'agriculture ? Merde, non. Les mousses, j'ai oublié de vérifier les mousses. Ah merde, non, ça continue. Champignons, dis-moi que j'ai fait des champignons. Oui, c'est bon. Les 23h, ton retard. Ouais. J'arrive. Je te laisse pêcher ton dernier, ouais. Moi, je vais aller voir les. Oh, gélatinés. Et les... voilà, c'est bon. Un calamar de minuit. Attends, moi, je vais aller voir les poules de minuit. Oh, c'est les de poules minuit. De et... minuit. Attends, j'ai un doute. Pourquoi il n'y a pas de foin? Le silo est vide. Mais c'est horrible. On a des animaux qu'on nourrit pas. Il est lent à remonter. Les animaux ne le font pas. C'est t'inquiète. Il faudra acheter à la fermière au sud. Ouais, non, mais t'inquiète pas, les animaux ne meurent pas. Il y a pas de ça. Eh ben, c'est honteux parce que c'est cruel dans le principe quand même. Je comprends bien que la règle du jeu est pas punitive, mais ça aurait pu l'être. Mon dieu, j'ai oublié de récolter du... Mais si j'ai des silos, mais ils sont vides. En fait, faut les remplir. On pourra faucher plein d'herbes folles plus tard à la belle saison. Mais justement, là, dans 15 jours, là, au printemps, alors faudra les... Alors, ça dépendra de où sont les herbes folles. Mmh. Mais si tu laisses ouvert, tu verras que les animaux iront les chercher tout seuls. D'accord. Tout seuls. Eh ben, c'est très bien. Moi, c'est ce que je fais en solo. Je les laisse gambader, puis ils se servent. Moi, j'ai payé 250 pièces pour me téléporter rapidement. Ah oui, le gars qui vend le totem. Oui, gros, tu fais bien. Oh, petit joueur. Parce que ça y est, moi, je suis rentré. Non, moi, il faut que je donne un max de pots de confiture aux villageois là, qui font chaque soir sur les quais pour les séduire. Là, c'est tout bénef. J'ai plein de gelée sur moi de confiture. Et faire les marchands, les différents marchands. Mais comme leur tourne, j'aimerais quand même sur la fin, avant qu'ils partent, faire une fois le spectacle des sirènes parce que c'est trop beau. C'est juste trop beau. J'adore ce spectacle. Attends, c'est quoi ça? Ah, mon arrosoir est prêt. Il faudra que je passe au modèle en or. Pourquoi c'est un poisson? Ouf. La diseuse de Bonaventure qui vient de me dire que les esprits étaient en pétard et que ça va mal se passer pour nous. Oh la vache! Les esprits sont très mécontents. Pourquoi je... Je suis très médisant. T'es en train de découvrir un glitch, Torota, je t'entends. Non. Bon, pendant le festival, j'ai acheté un petit peu de sortes de graines. Différentes graines. Comment dire, prends soin de la graine. Ah oui, t'as anticipé le printemps à venir. Oui, c'est vrai qu'il proposait les graines de printemps. Après, il va proposer les autres saisons, là, les soirs suivants. Mais oui, t'as pas tort, c'est vrai, j'ai pas pensé. Des graines de panais, des graines d'haricots, de chou-fleur, de pommes de terre, des bulbes de tulipes, des graines de chou frisé, des graines de zinza, je sais pas quoi, là. Zinia, des graines... Des graines d'ail. Ouais, c'est malin. C'est vrai que je reconnais que j'y ai pas songé, mais bien vu, t'es prévoyant, bien joué. C'est pas perdu. Merde, j'ai plus de place. Wow, j'ai 300 pierres. Il va falloir faire quelque chose avec les pierres. Je sais pas, du bâti, des murs, des chemins, de ce que vous voulez. Alors, c'est comme dans Minecraft. Hein, il faut mettre des. Il faut, on peut utiliser un coffre à la fois. Oh! Excellent! J'ai un courrier de l'épicier Pierre. Samantha, il semblerait que tu commences à te rapprocher de certains habitants. Si tu veux montrer une personne que tu aimerais entretenir une relation romantique avec elle, tu dois lui offrir l'un de mes magnifiques bouquets de fleurs. En l'autre, comment qu'il se vend? Je les vends à prix très raisonnable. Si tu souhaites un jour fonder une famille, c'est le premier pas.
Allez, courrier suivant. Samantha, Ebi, c'est qui Ebi? Ebigail, oui, c'est son diminutif, c'est la fille fofolle qui aime bouffer, là. Cheveux violets. Bah, justement, sa fille au vendeur, l'épicier. Un de ces jours, tu devrais venir dans ma chambre à la tombée de la nuit. Peut-être vers 20h, je vais te montrer quelque chose. Oh, mon dieu. Le caleçon bleu du maire. Ouais, c'est... Oh ma vache, si elle me fait ça, mais alors j'explose de rire. Oh, ce serait horrible comme théorie. La théorie infâme. Oh, le mec, il est maire, mais en fait, il... Oh, il couche avec toutes les femmes du village. Oh la vache. Mais ça se tient comme théorie. C'est horrible, mais ça se tient. Ah là 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 là. Merde, j'ai pas pris de charbon. Ça peut pas marcher, ma combustion. Je vais disparaître sous vos yeux non ébahis. Eh bien. Moi, je suis en train de faire chauffer mes lingots de bronze. Oh mon dieu! Alors, mon dieu, je vous ai parlé de mon côté. Dans ma forge. Oh putain, j'ai gagné des épées en os alors que j'en ai rien à péter. Je sais. Je crois que les. Ah oui, non, oui. Je sais plus. C'est toi, Torota, qui m'avait dit qu'il faut aller revoir la guilde des aventuriers. Tu peux leur revendre oui. Leurs armes, je crois. Exact. Ouais, bah je le ferai parce que j'ai deux épées en os. À moins que quelqu'un veuille me prendre une épée en os, mais sur les deux, là. Je sais pas, il fait combien d'attaques Moi, j'ai de la place hein, pour une épée en os. Épée en os, niveau 5, 20-30 de dégâts, plus 4 de vitesse, plus 2 de 20-30. Poids. 20-30, ouais. C'est sympa, hein, ça se respecte. Mais moi, je garde bah, moi, j'ai ma lame obsidienne de niveau 6. Non. Ouais, bah t'es comme 30-45. Ouais. 30-45 de dégâts avec 10 de puissance critique. Bah j'ai la même que toi, Dragon. Et elle me va très bien. Elle me va. Après, avec un peu de chance, d'ici là, ça, tu trouveras toujours mieux. Oui, on verra. De toute façon, moi, il me faut du minerai. Donc je retourne à la mine, je casse la figure aux ennemis et je casse des cailloux. Ça me va très bien. Il faut 5 lingots pour améliorer un objet. Normalement, oui. Ouais. Merde! Mais oui, mais t'as raison. C'est ça que j'ai oublié de faire, de passer chez le forgeron. Le pire, c'est qu'il me dit que mon arrosoir est prêt, et puis j'oublie de me pointer avec les 5 lingots d'or pour passer au niveau dessus. Au moins, mon arrosoir sera prêt. Mais oui, mais bien sûr. Oui, merci de m'avoir fait penser. Oh là là, vite, faut que je fonce voir le Clint, le trognognol de forgeron de mes deux, là. Ça parle mal. Ah, puis attends, la carrière, mes couvertures. Mais le forgeron n'est pas là. Comment ça, il n'est pas là? Le trognognol. C'est quoi, cette... Eh oui, et oh, trognognol, t'es où, au boulot? Mais qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il n'est pas au boulot. Il n'est pas au bar où il lui est arrivé misère. Oh, oh. Non, il est pas là. Vite, fouillons sa chambre. Il y a une cassette à l'intérieur. Collection des plus gros hits de blues, volume 2. Oh, il aime le blues. Cher Emily, je sais que tu penses que nous partageons une relation purement amicale. C'est de ma faute, je suis trop timide. Je n'aurai jamais le courage de t'avouer la vérité. C'est pourquoi j'écris cette lettre que je vais certainement déchirer. Je le jette dans un coin. Ah, qui est con, ce mec. Oh, il est beaucoup trop timide. Oh mon dieu, vous fouillez les affaires personnelles de Clint. Il y a une pile de tabliers de forgeron, des magazines, une vieille épée et une belle photo de sa mère. Oh, c'est mignon. Mais, c'est moi ou c'est un bug? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? L'absence du forgeron? Ouais, ouais, ça m'intrigue totalement. Bah, je sais pas. Non, c'est pas un bug. C'est pas un bug, des fois tu as des marchandes qui s'absentent parce qu'elles ont un cours de gym ensemble. Oh là là. Oh, bah si Clean fait de la gym, je savais pas moi. Merde, du coup oui bah merde, j'ai mes lingots, j'ai perdu mon temps, et c'est scandaleux. Et j'aurai l'admiration de l'arrosoir un autre jour. Allez, vengeance! Vous payerez pour les autres. Vous payerez pour la chance. Tu verrouillé plein de récompenses au musée, toi, comme moi. Yep. Mais ça doit être balèze d'avoir tous les artefacts, hein, parce qu'il y en a une tripotée, hein, il y en a une centaine, je crois, des artefacts. C'est normal que je peux recueillir autant de récompenses d'un coup, là. Alors, ça dépend de ça, je pense.
Si tu parles d'artefacts de collection pour le musée, t'auras que ça. T'auras juste que les places que tu pourras remplir. Après, le reste... voilà, ça peut servir. Je ne sais pas pourquoi, mais je pressens que tu vas m'avouer ton retard que tu as déjà tout trouvé. Il m'en reste 8. Ah bah, c'est encore loupé pour le forgeron, hein, comme d'habitude. Hein. En général, s'ils sont absents, c'est pour l'âge. Donc, t'inquiète. C'est pour l'âge. Demain, tu les retrouveras. Ah là là. Mais comme tu dis, oh là là. Bon, moi, j'ai eu du minerai de fer argent, moi, ouais. Ouais. Hop, sous-sol suivant. Oh, me voilà exaucé. Je dis oui. T'as trouvé? Oui. Parce que t'as trouvé ton bonheur. Oui. Et Shabao. Mais pour l'instant. Oh, marché nocturne est ouvert. J'avais oublié. Où il se trouve? Il se trouve où? Mais il est sur la plage. Mais là où on est allé hier. Ah, la plage. Sur la plage, moi c'est la plage. Vite le wagonnet, le plus proche, la ville. Ah, rappelez-moi de biffer le forgeron. Il me tue, ce forgeron. Ben moi, je vais te biffer parce que je peux même pas faire ma pioche ben voilà. En bronze. Voilà. Ouais, biffez bien. C'est ça. Ben, je repense à ce que j'ai appris de ce matin. Une lettre presse, c'est scandaleux. Mon Dieu, quelle horreur. Ah oui, le marchand... Ouais. Le café gratos. Ah oui, le café gratos, exact. Moi aussi, j'allais le zapper. Alors que je suis déjà dopé au café, on voit que j'ai couru plus vite que toi. C'est rigolo. Merci, monsieur. Allez-y, vite, qu'est-ce que propose les marchands? Donc, lui, il allait. Les plantes sont sympas. Quand j'aurai vraiment du fric à claquer, je ferai les plantes. Non, attends, je vais me libérer d'une case. Allez, hop, ça, c'est fait. Voilà. Donc tous les villageois, je vais leur donner des confitures. C'est... Non, pas l'artiste. L'artiste, il n'est pas habitant. Il ira sur la roue papa outé. Alors, ardillon, cuisine, noix de coco, riz non moulu, ouais. Je donne un chou qui c'est ça de chou, ouais. Elle est sur... Oh la vache, 1380, elle est hors de prix. Ah, il y a des graines de houblon, par contre. Ah, où Ah, le marchand de... Oui. Ah! Voilà, quand t'as fini tes achats, mon cher. Merci. Oui, c'est bon. Parce que je pouvais pas interagir tant que t'étais devant lui. Oui, pardon. Non, mais t'inquiète pas, t'as pas à t'excuser. Mais oui, tu as raison. Tu as raison, mais c'est idiot, parce qu'on l'aura chez Pierre. Je pense qu'on l'aura pour le même prix, non? Et encore, c'est même pas sûr. Non, mais j'irai les acheter chez Pierre. Faut soutenir le commerce local. Soyons, surtout qu'ils nous le rendent bien, alors soyons. Soyons intègres, honnêtes et voir. J'ai bu 3 doses de café parce que j'ai eu 3 cafés. J'ai eu 2 cafés par le truc du collectionneur là. Mais il est fou. Attends, je vais donner ça. Ah oui, mais oui, Vincent, c'est ta confiture au petit déjeuner. Hop, voilà, j'avais pas fini de faire tout le monde. Magnifique ma tournée séduction. Wouah! Oh, il déteste la confiture, Sébastien. Ah, merde. Bon, bah oui, ça peut pas plaire à tout le monde. Mais non, je suis plus fort que les... J'allais balancer un politique français, là. Je sais plus comment ils s'appellent, les jolis loustiques. Le Valois-Perret, là, c'était les... Je sais plus. Enfin, bref. J'ai réussi mon pas sur séduction. Ah, oh, c'est beau. Je me dope au café. Et je cours beaucoup plus vite. Ouais. Il me fait ça.
Bon. Ah, j'adore. J'adore ce spectacle. Zoubi, la sirène. Da-da-di-da-da. Shabao, shabao, shabao. Oui, je vais faire comme toi. Je vais tricher, téléportation. Allez, hop. Je vais foncer au niveau des bières. Mais je suis content de ma stratégie de... Wouah! Mais c'est devenu Diablo! Le jeu est devenu Diablo! Hey, t'es beau, ça s'en pète. Ouvrez-moi un portail vers Tristram, là, y a trop de monde, arrêtez! Oh la vache! Wouah, la violence! Bon alors, les mousses, voilà, les mousses sont prêtes. Ah merde, j'ai loupé un tonneau! Faute! J'ai loupé un tonneau! C'est vilain, pas beau! Ok. Est-ce que ça vous Bah, j'ai mis dirait? place du tout dans mes poches. Plus Qu'est-ce qui tard, se dans la soirée, que je vous montre un peu mon monde en solo. Ah, Vous sur faire ton visiter canal? un peu. Tu veux le faire discreto sur Pas sur mon Insta? canal, Ouais. même là, sur ta chaîne. Peu importe, je m'en moque. Moi, j'ai pas de priorité. Voilà. Mais non, mais je pourrais pas avoir ton signal vidéo, Tota. Ou il y a un truc que j'ai pas compris qui me dépasse, mais... Dans mon monde, mais tu continues Ah oui, mais attends, mais ça à sous-entend que diffuser. dans ta partie... Attention! Ça sous-entend que dans ta partie solo, tu as mis des baraques de cabane de multijoueurs. Sinon, je pourrais pas te rejoindre. Enfin, ça se fait rapidement, ça Oui, coûte rien. j'ai oublié. Ça coûte rien, tu me diras, mais faut le faire, c'est ça le problème. Oui, si tu veux, Je pourquoi le pas? Oui, c'est vrai. Oui, pourquoi pas? Oui. là. Après ton tableau mystère, si tu veux, tranquillement, comme ça, moi, ça me permet de... Ok, c'est tacté. Ok. Dakodak. Les mousses, les mousses. On a des gains. À nous la tunasse. Hic padon. Alors j'en ai oublié une. J'en ai fait 29 sur 30. J'imagine que c'est marqué Dragon n'a pas réussi à se coucher. J'ai pas fait attention, Si, t'es mais. proche de 2 heures du matin. Ouch. Oui, bah j'espère que t'as pas trop de malus. Non. Bon, bah c'est dans le. Trompette d'artichaut. Alors je savais déjà. Je sens que le forgeron va me sortir par les trous de nez. J'espère qu'il va pas me la faire deux fois. Parce que j'aimerais aller dans les mines faire la quête aussi des os, des nonos. Et là c'est mal engagé parce que j'ai quasiment perdu ma journée d'hier avec son ânerie. J'en suis à 9 sur 100. Parce que 9 sur 100. Bah oui. Ben moi j'ai Deux des défenses de graines mousse. à distribuer. Dago a fait 10 000 pas, c'est un succès. Bravo. Tu as fait ton quota gym. Ouais. Du jour. Je dépose dans ta boîte où il y a des graines, hein, du coup. Yep, merci, t'es un chef. J'ai bien joué, comme Alors. on dit. Bah, en tout cas, ne sois pas étonné hein, avec toutes les graines que j'ai trouvées. Hein. Ah, d'accord. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est une heureuse nouvelle. C'est tant mieux. Ben, j'ai gardé un hameçon pour les poissons. Hein. Une âme chante pour le poisson. Une âme chante pour le poisson. Attends, il faut que je range tout ça. J'ai même pas de place pour les grottes des cavernes des grottes. Mon Dieu. Ou alors je carbure au casse-croûte, dont j'en aurais plus besoin. Et puis voilà. Je préfère que je pense que c'est mieux comme ça. J'ai toujours pas vendu mes sabres d'os là. Il va falloir que je le fasse. Bah, c'est quoi le bug là de la pêche? Écoute, je sais pas.
Ah oui! Torota avait expliqué que quand tu as la jauge, tu sais, où il faut capter le poisson, la jauge verticale, à ce moment-là, si tu as la chance d'avoir sur ton ordi un écran secondaire, tu cliques sur l'écran secondaire délibérément pour ce qu'on appelle en informatique perdre le focus, c'est-à-dire que ta fenêtre de jeu ne soit plus la fenêtre principale active, et bien il se trouve qu'il y a un glitch apparemment énorme que ta pêche soit parfaite. Désolé. Qu'est-ce qui t'arrive? Un beau poisson, un beau spécimen. Ah, le bois m'est raté. Désolé. Non, je t'en prie. J'allais pêcher en plein combat avec un poisson très rare. Très, très rare. Ah, c'était vivant, comme... Oui, c'était juste un poisson légendaire, voilà. Ok, tout va bien. Waouh. Bon, les squelettes de mes deux. Si j'avais réussi, mais j'ai pas réussi. Donc... Un jour viendra, tu réussiras. Pokémon, attrape les touches. Oh, il m'a donné un grand café de... Merde, c'est pas le bon niveau pour le squelette. Là, c'est le niveau des... de déchets. Ouais, c'est un truc de fou. C'est ça. Attends. Oui, c'est ça l'escalade. C'est là où je vais faire mon quota de la quête des fragments d'os. Si j'y arrive. Un fragment de... Oh, si seulement les squelettes pouvaient donner plus d'un fragment. Parce que si je dois buter ces squelettes, j'ai pas fini. La quête, j'arriverai jamais à l'honorer. Là, c'est pas possible. Bah, j'ai trouvé une note secrète dans la flotte. Normal. Ce sont des choses qui arrivent, oui. C'est ce qu'on appelle avoir les deux flèches. Shiro Bonner. Shiro Bajar, Shiro Boxion, Shiro Bonner. Oui, c'est un squelette. Bah, en général, la vraie blague des nouvelles fraîches, c'est on dit à la personne, à ton avis, pourquoi je mets le journal dans le frigo pour avoir les nouvelles fraîches. C'est vrai. C'est rigoureusement exact. Je valide. Oh, casse-pied ce fichu point sky à la noix. Mmh. Oui, c'est vrai que c'est pas... Je pense que ce serait trop fat, trop amer comme plat. Les poissons sont très rares, mais je pêche que des déchets. Ouais, c'est un truc de fou. Poissons, les noix de Saint-Jacques. Ah, je m'attendais à avoir des squelettes. Hein. J'ai une boule de charmant. Pas de squelette. Oh, je suis déception. Oh, j'ai un filon. Alors ça fait plaisir. Ah bien. Oui, et le squelette, attends. Tu devrais peut-être te prendre des petites des bombes. Comme ça, tu perdrais moins de temps. Ouais. À miner. Ouais. Et ça te perd. Comme le nain, et je sais parler nain, le nain est un terroriste. Et on a presque 100 000 pièces d'or. Oui, je pourrais me fouiller chez lui. C'est vrai. Fais ça, non mais ça suffit, je te demande de... Ah. Il est fou, mon personnage. Ah, il me l'a fait à l'envers, le squelette de mes deux. Voilà. Ah bah lui, au moins, il m'a donné 3 fragments, donc je le pardonne. Il a été rentable. Il a compté pour 3 de ses congénères. Alors attention, à 17h, il y a le festival de la croûte sur les quais. Ah, le journal détrempé. Oui. Un petit journal détrempé pour faire du tissu. Ouais, ah ouais. Enfin, ça donne pas forcément du tissu, parce que j'étais agréablement surpris de la transformation, mais... Mais oui, c'est à tenter, oui, forcément. Je la corde. Ah, nickel. Alors, il m'a donné aucun fragment, par contre, il m'a donné l'échelle pour aller au sous-sol suivant. Ah, merde, je suis déjà au niveau... Oh, merde, alors, on recommence. Je crois que je suis en droit de... Ah, merde!
Ah non, ça veut dire que j'ai rincé pour... Ah non, ah. Je croyais que j'avais rincé pour la journée tous les ennemis. Mais non, le squelette est réapparu. Oh, le filon aussi est réapparu. Ah mais c'est tout bénef. Moi je recommence à faire un tour là, et oh. Waouh, je suis riche. Oui. Non mais j'ai jamais eu autant de minerais de fer argent. Mais c'est merveilleux. Alors que je suis en quête des fragments de nonos des squelettes. Extraordinaire. Joie. Je suis joie. Shibao. Shibao. Oh mon dieu. Squelette va mourir. Quick. Ah. C'était le squelette échelle. Il n'y a personne en... Ah si, il y en a encore un. Je vais te toi. Ah, le festival va démarrer. Le marché nocturne est ouvert maintenant. Poil aux dents. 21. Concentration. Concentré, concentré, concentré. Comme le lait. Concentration. Agathe Truffignon. Du lait concentré, du lait concentré. Fais pas l'idiot, Nico. Et moi j'ai oublié le marchand, le foutu, mon arrosoir. Je vais pas avoir mon arrosoir de la semaine à cause du 1 clean de mes deux qui était absent. Eh ben oh voilà. Oh, GG. Oh oui, c'est énorme. C'est affiché en bas de l'écran, t'auras attrapé le poisson légendaire, carpe mutante. Il a attrapé la légendaire carpe. C'est un des poissons légendaires du jeu. Ouais, les 5. C'est les ça. Cinq, non, les 5. Ouais. Ah, j'ai voulu me la faire, ça y est. Ouf. Le premier bravo. Est fait. Oh là là, il neige, mais alors c'est bizarre dehors. Ça fait longtemps que j'avais pas vu autant de pixels blancs. Oui, donc on lui vend toujours les plantes. Qui c'est que je peux donner des confitures? Oh, il y a plus grand monde sur les quais. Il y a le mec qui vend ses tableaux, rondin, sculpture de hibou. Ah, pour ceux qui veulent faire le culte à Aeroster, sculpture de hibou. Notre grand maître. Alors, c'est pareil, il y aura. Il y a un truc avec un hibou, c'est une statuette hibou, tu as 1% de chance de la voir aussi. D'accord. C'est une statuette qui apparaît toute seule. Mm-hmm. Je l'ai eu. D'accord, d'accord, merci pour l'info. Sympa la table hawaïenne. Ouais, tiens, je vais la prendre pour ma déco. Allez, je me fais plaisir. Non, je suis impressionné. Le vendeur, là, il vend l'abricotier 1500. C'est pas cher. Je crois que je vais le prendre, l'abricotier, à 1500. C'est deux fois moins cher. Alors, le mieux, c'est que tu prennes... Le mieux, c'est que tu prennes tous les arbres. Comme ça, tu seras tranquille. Et il y en a 6. Ah, différent. Parce que là, j'ai 5 exemplaires d'abricotier. Enfin. Mmh. Alors. Mmh. Non, parce que t'as pommier, abricotier, tu as orange, je crois, ou grenade, et je sais plus. Mais bon, il y en a d'autres. Bah, j'en ai mis un près de la maison. Il s'est téléporté déjà. Ah, tu t'es déjà téléporté? Ouais. Donc oui, là, t'as dû voir une pousse de végétal. Il faut pas la péter, puisque c'est l'abricotier. Donc attention, c'est tout proche de vos baraques individuelles. Merci de ne surtout pas déraciner le spécimen. Parce que sinon, on aura 1500 dans les dents. Hein, voilà. Merci de votre compréhension. Amen. Tiens, la machine. Pardon. Alors, ces crêpes, elles étaient bonnes, Torta. Je les ai pas finies, je les déguste. Ah, il fait durer le plaisir. C'est bien, t'as raison.
Ah, qu'est-ce que je me fais ce soir en miam? Je serais tenté de me faire des croque-monsieur. Alors, je vais manger tard, mais je vais manger bon. Parce que là, la salade de taboulé, j'en ai pas envie, comme j'en ai Ah, mangé je me beaucoup suis refait un hier. nouveau pantalon avec la machine à coudre. Oh, stylé! Je m'en suis jamais servi de la machine à coudre, mais c'est bien. Attends, voir, je sors du lit exceptionnellement pour. Oui, je t'adore le chien. Tu me bloques le passage, le chien de mes deux. C'est pas croyable, il m'empêche de bouger. Je vais aller voir rapidement les C'est mousses. quoi? C'est quoi ce poisson? Non, les mousses, c'est pas. C'est pas pour maintenant. Ah, le forgeron, mais alors. Ah, il y a encore l'ombre de l'oiseau géant. Le forgeron, il est parti faire la fête, je ne sais pas où. Ouais, je préfère même pas savoir parce que c'est indécent là, son nombre d'absences. Moi, je veux mon arrosoir, quoi, ouais. Hop, j'arrive pour dormir. Oui, c'est le temps du dodo. Et la mousse qui rapporte beaucoup plus d'argent. Les mousses. Ouais, mais t'inquiète pas, après, il y a des choses qui coûtent plus cher que les mousses. Ouais, les poissons. Pas forcément. Bon, c'est qui est Il encore venu faudra près une de corps de grange loup? pour ça. Oh, ben c'est moi. Il faut pas se poser la question qui traîne, hein. Je C'est soit suis toujours c'est le oui, c'est soit dernier, hein. oui, bah c'est soit toi ou soit c'est moi. Moi, je peux Après, je pas connais les bluffer. limites, donc Je peux pas bluffer, c'est moi qui diffuse alors. J'ai une assemblée de témoins qui pourraient me balancer par délation, donc non. C'est oui. impossible. Non, je suis en train de me dire, vie réelle. Je pense que je vais me préparer mes crocs pendant le tableau mystère, qui vous laissera le temps de Niveau 1 de la jouer. pêche, ah bah c'est bien. Je vous laisserai le temps de jouer avec le nouveau tableau. J'irai me précipiter faire mes crocs carrément, les enfourner et je vous rejoins après pour la suite. Ce qui me permettrait éventuellement de jouer de la prolongation le soir si ça vous dit, on verra. Mais je suis aussi intéressé par la proposition de Torota, ce qui nous montre sa partie à lui. Alors bonjour Samantha, oula, longue lettre. J'aimerais vous donner quelques informations sur un événement à venir, la fête de l'étoile hivernale. C'est le moment pour la communauté de se rassembler et d'apprécier toute la bonne fortune que nous avons cette année. L'une des traditions préférées de l'échange de cadeaux secrets où les habitants du village se sont attribués au hasard pour à quelqu'un d'autre. Le jour du festival, tout le monde apporte un cadeau à son ami secret et surprend avec quelque chose de spécial. Cette année, votre ami secret est Elliot. Ne le dites à personne. Ah, tout le monde le sait déjà. Ouais, bref, c'est à la fin de la saison. Je sais même plus qui c'est, Elliot. Faut que je regarde, c'est pas le prince Chocobéenne là, qui vit sur la plage. Il faut que je regarde les portraits dans l'onglet social du jeu. Elliot. Si je pense que c'est le prince à Chocobéenne là, le beau gosse. Le beau gosse, parce qu'il le voit bien avec son shampoing. Oh, les mousses sont pas prêtes. Bon, Inventaire je me plein. débarrasse d'un peu mon inventaire, parce que je suis trop plein. Eh bah, c'est ce qu'il me dit aussi, je suis choqué. Ah oui, j'ai une table hawaïenne. C'est limite si je la mettrais pas dans la grotte. Bon, j'ai 9 lingots de... Alors, j'aimerais donner quelques informations sur l'événement à la fête de l'étoile hivernale. Alors, l'ami secret est Émilie. La petite Émilie m'avait bien promis un poêle de taupe pour faire un tapis. Je vois pas c'est qui, Émilie. Mais les poils sont tombés, le tapis est foutu, la petite Émilie n'a plus de poilu. Alors qui c'est qui a fait cette chanson paillarde? Référence française, hein, je déconne zéro. Pierre Perret. Non, ça aurait pu, mais c'est pas lui. C'est un académicien, messieurs, dames. Enfin, messieurs, parce que j'ai pensé à lui en audio. Je prends. C'était monsieur Jean Dutour. Ok, Et ça d'accord. fait l'objet d'un Bonjour voisin, mes chèvres mémorable. veulent vraiment des algues vertes. Je n'en trouve nulle part. Quelqu'un peut m'aider? Marine. Ça Non, je ne l'aiderai pas. fait l'objet d'un numéro historique hilarant des grosses têtes avec Bouvard dans les années 60, dans 80, je crois. Le regretté académicien Jean Dutour.
Et du coup, moi-même, j'ai retenu ces deux. Oh, est-ce que ce forgeron de malheur, il est là? Ah, t'es quand même là, il serait temps. Ah, le forgeron, là, je vais aller voir aussi. Alors, attends, je fais mes lingots, je dépose mes trésors dans la. J'ai dans la mine. Dans la. Ah, bah, j'ai trouvé du pain dans une poubelle, d'accord. Oui, ça arrive. Surtout la le bar. Et pas du pain rassis. Ouais, non mais tu rigoles, mais ça a son avantage parce que ça nourrit bien le pain. Quand t'as une fringale et un coup de mou, pour remonter ta barre d'énergie, le pain ça nourrit bien. Hein. Une baguette complète, ça fait le job. Attends, oui, je suis ravi que t'aies pu mettre le grappin sur Clint le forgeron. J'espère qu'il va pas me la faire à l'envers. Attends, j'optimise à fond mon agenda. Ça, c'est ce que je fais en semaine. J'optimise à fond mon inventaire. Il faut que j'aille voir la guilde des aventuriers. Moi, je vais peut-être optimiser mon agenda pour la semaine des streams. Et comme j'ai expliqué, en semaine, je peux pas faire des grosses sessions de genre de 2-3 heures comme ça. Ouais, faut que tu te ménages. Ouais. La santé. C'est pas que ça, parce que mon travail de la semaine est assez harassant, ouais. Physique à ce point-là. Donc du coup, ce sera une heure et demie grand max. Ouais, non, je comprends pas. Et c'est pour ça, si jamais dans le chat on me dit déjà que c'est fini, ben ouais. Ouais, t'as besoin de dodo, ouais. Faut pas que tu te brises la santé pour ça. Ouais, non, mais tu fais bien. Moi, j'attends l'ouverture de la guilde parce que pour faire l'émission. À quelle heure ils ouvrent la guilde, s'il te plaît? 14h. 14h. Oh merde. Attends, je vais tu faire un. Tu bosses dans une usine, le dragon? L'usine. Non, mais pour que ça soit physique, donc tu dis. Ah, j'ai donc, compris l'usine. Je pose la question. Cherche pas, ça fatigue. Non, mais ton. Ah, il y a tes confiottes qui sont prêtes, le sage. Non, en fait, comme c'est... tu dis que t'as un boulot fatigant, donc je me dis peut-être que tu travailles dans une usine. Comme c'est physique. Non. Non, dans l'espace vert. Ah, bah oui, d'accord, ok. Les confiottes, je te les ai mis dans ton coffre, je les ai récupérées. Ok, merci. Dans ton petit coffre violet à côté de la carrière. Merci, bien joué. Et tu mets quoi? Tu mets des baies de saumon ou des murs, toi? Tu peux tout mettre. En fait, je mettrai les murs en dernier. Pourquoi? Parce que les murs sont universels. Elles peuvent être confiture, mais elles font aussi un excellent vin. Le vin de mur. Alors, voilà, c'est bon, j'ai relancé la production. Mais ça vaut de la tunesse. Non, je sais plus c'est quoi qui vaut de la tunesse qui m'avait surpris en dehors du houblon en bière. C'était le vin de je sais plus quoi. Je sais plus, il y a un vin. Ça aura plus cher que ça encore. Ah, il va être 14h, ouais, donc la guilde va ouvrir ses portes. Je crois avoir essayé l'hydromel, c'est-à-dire transformer du miel en fermentation, c'est pas mal non plus. Mais oui, je finirai par découvrir par moi-même. Mais je suis déjà content du bon. Franchement, la dynamique du bon. Les morts. Une épée en os, ouais, carrément. Katana de lave, alors ça, c'est mon rêve. Mais bon, ça coûte super cher. Ouais, c'est peut-être l'arme absolue, le katana de lave. Oui, il y en a même plus une première chose. 25 000 pièces d'or, hein, mais 55-64 dégâts. Ah, avec oui. 3 de défense. Avec 3 de défense, 25 puissance critique et les... Bon, l'inconvénient c'est qu'il est 3 fois plus lourd. Ah, alors tu veux l'acquérir ou pas? Ah, je suis en train de citer. Tu peux, écoute, attends, on a 80 000 de thunas et on n'a pas fini de se faire de la thune. Fais-toi plaisir, mais je te donne raison. Hein. Bah, je m'achète une seconde bague de rubis pour augmenter mon attaque de 10%. Ça ferait 20% d'attaque. Ça change, je peux en porter 2. Attends, mes trucs. Ça va là. Et bon, je vais me tenter quand même le katana de lave, hein, pour voir l'efficacité. Hein. Ouais, fais-toi plaisir. Mais bon, c'est pas grave, on est rentabilisé rapidement avec les mousses. Qu'est-ce qu'il m'a pas donné là, lui? Le mec dans le fauteuil, il m'a donné un masque de mort. Oh. J'ai l'impression d'être le chevalier du cancer dans les chevaliers du Zodiac. Je te fais la danse de la mort. C'est moi la faucheuse en fait. C'est moi que t'as trouvé au fond de la grotte interdite tout à l'heure. Ah oui, katana de lave. Ah ouais, c'est pas mal.
Non, mais je vais surtout vendre mon truc, moi. Voilà, mes épées, j'en ai marre, là. Ça me prend de la place. Tiens, allez, hop, hop. Lame obsidienne. Oh, pour une fois que je fais pas beaucoup de dépenses. Bon, je vais me tenter encore une fois la mine de la mort qui tue. Les sous économes. Le sabre en acier est pas mal. Hein. Avant le katana de lave. Ah, tu me diras que ouais, t'as 3 en défense. Mauvais pêcheur. Ah oui, c'est pas mal. Ouais, bah je vais faire comme toi. Je m'achète un katana de lave, allez hop. Ah oui, c'est efficace pour les monstres dans la mine super dangereuse. C'est très efficace. Oui, bah plus tard. En 110 à 71 de dégâts. En critique, ça fait plus de 300 plus avec make bag à 10% d'attaque. Ça fait mal. Bon, moi j'ai un quota. Ça met les ennemis à genoux. Ouais, non, c'est bien, mais je vais tester contre les squelettes là. C'est les squelettes que je dois pas tâter. Je vous rappelle que j'ai 27 sur 100. Donc je suis mal barré, vu qu'on est jeudi soir dans le jeu. Pour les squelettes. Je pense que t'avais raison, Torota. J'aurais dû prendre la stratégie du nain et acheter des bombes pour déblayer à grands coups d'explosifs. Elle est venue tout vite parce que la tête de squelette. La vache. J'ai le club des croque-morts. Hey, attendez. C'est bizarre comme corrélation, mais elle est faisable. Ouais. Je porte un masque de mort. Est-ce que j'aurais pas attiré les squelettes? Ah, peut-être. Est-ce qu'il n'y a pas un lien de cause à effet, les gars? Ah, je pense, peut-être, il y a moyen. Je sais pas. Et ouais. Si tu mets le masque de mort, est-ce que tu tues pas les vieux dans la ville? Je sais pas. Bah écoute. Tu prends ta faux, le masque, et puis c'est bon. Voilà, je vous laisse lire. C'est intriguant comme description d'outils. Ah oui. Mais tu fais ça dans le village avec la foule, mais tu dois rigoler. Ouais. La peur que tu dois faire. Ouais. Je rends visite au vieux, je vais me draper de noir et puis... le mec infâme. Chiche. Le jour de son anniversaire, le dernier. Ah, oh, c'est horrible. Stardew Valley version Scream. Vous connaissez? Ah ben, la semaine dernière, ça a été la version Cochon, X, ouais. Et ouais, là, c'est ça. Sort... Ah ouais. C'est la version horreur. Ah ouais, non, mais là, c'est vrai que la semaine dernière, Stardew Valley, on a trouvé la lettre X dans le panneau du menu. Et on a déverrouillé une scénette et une théorie honteuse. C'était torride. Mais vraiment. Oh my god. Rien d'y penser, je suis. Tout ça pour. Tout oh, ça j'ai pris un parchemin des nains 3. De genoux. Oui. Le poisson pour le. Oui, bien sûr. Oui, non, mais il y a un trafic de godmiché dans le village, on en est certain. Alors, je rigole, mais. C'est quand c'était dans la semaine, j'ai rigolé. Parce que j'ai eu une autre demande, pas pour le genou, mais pour une oreille. Ah ouais. D'accord. Ouais, ça marche. Tu fais, non mais c'est pas possible. Les soins ostéopathiques, comment vous y êtes? Il manque un ostéopathe dans le village. Amalia. Alors je dirais, tant que c'est une femme, ça va. Il demande autant, mais tant que c'est pas un homme, ça va. Ne m'en parle pas, j'en rigole. Bon, faut que je me rentre, moi. Oula, il est 22h des boîtes, je suis dans la mine. Mais ouais, elle est bien, le katana de lave, j'aime beaucoup. Effectivement, je valide. Ouais, une boulette de feu. Non, mais j'abandonne la quête des squelettes parce que. Bon, là, comme par hasard, j'ai l'artefact que j'ai tiré, visiblement. Là, j'ai un trio qui vient à moi. Mais. J'y crois pas, là. Attends, il est jeudi soir, je suis à 34 sur 100. Elle est impossible, la quête. Je vois pas comment je peux honorer la quête, c'est trop.
C'est trop balèze. Je vais essayer de persévérer ces 3 jours virtuels là, mais ça va être dur de chez dur. Alors je préviens. Oui, excuse-moi de t'interrompre, j'ai trouvé des champignons. Alors il y a plein de champignons. Les meilleurs sont les rares à chapeau violacé. Ceux-là, ils sont extra, oui. Ils sont géniaux. Ouais, j'en ai un des champignons violets. Comment qu'il me l'a fait à l'envers? Je crois pas. Le gélatineux, il a réussi à me... Merde, j'ai pas fait les mousses. Il est minuit passé. Je vais le payer. Ah oui, j'ai pas fait les mousses. Elles sont là. Ah! Vous dormez, vous, peut-être, mais pas moi. Ah non, je ne dors pas. Je ne dors toujours pas. Pas. Attendez, il faut absolument que je fasse les mousses, là, parce que... C'est notre tunasse. C'est notre gagne-pain. Hein. Ah! Les momos qui rapportent. Et oh, tonneau là, j'étais reparti pour refaire 29 sur 30, ça va pas. Voilà, tous les tonneaux sont en mouvement. C'est bien. Allez, zo, vite. Oh là, je vais avoir un malus d'énergie. Allez, je vais avoir un malus. Bon. Oh, puis j'ai l'homme au crédit qui me harcèle, c'est scandaleux. Va voir la répression des fraudes, toi. Va mourir. Le mot crédit. C'est ça. Crédit, prends mon crédit. Non, allez, je suis fou parce qu'il y a une gemme qui, voilà, j'optimise la nuit. C'est bon, excusez-moi. Ouh, j'aurai un malus au réveil, moi. Ouh, la barre d'énergie va pas être à fond. Mais la thune est là. Ouais, ouais, c'est pas trop grave, tu vas bouffer, voilà. Rentabiliser. 12 600. Ah, le truc de ça. Et c'est bientôt la troisième année, il va falloir voir le grand-père. Ah, tu as raison, dans la quête principale. Putain, j'aurais oublié le grand-père, tu sais, le mec infâme. Ça m'entend, alors... qu'il ignore sa famille. L'horreur. Alors, si tu l'allais dire justement, oh, il est mort, c'est bon, il va pas remourir une deuxième fois, on s'en fout, quoi. On apprend que c'est un subterfuge, ah, qu'il est mort, le mec. Je suis à bout de force, je dépends du coco-conuts. Oh, le CON! Il me demande le Gus au bar, il me demande une noix de coco, alors que le lot en mettait en vente sur les quais. Alors ça, c'est pas malin. Ouais. Je veux des espants faire un coco-nono au saloon. Ouais. Une coco. Ouais, bah, avec sa requête, moi, il me brise les noix... Exotique. Tu veux une noix de coco, j'en ai une, le vendeur dans sa caravane. Ah, sérieux? Bah, il faut l'acheter et la donner au barman. Ah, inventaire plein. C'est moche. J'arrive. C'est moche. Ah bah c'est cool. Elle y est plus, je déconne, elle y est. Il va nous rendre fous, ce garçon. Non, comment ça, il y en a plus de noix de coco, il a tout acheté. Le fou. C'est bon, je l'ai acheté, donc t'inquiète, Drago. Ah non. Ah merdoum, j'aurais dû vendre le... Non, ça vaut rien. Ah ouais, mais il ouvre qu'à 12h. Quoi? Donc j'ai le temps de pêcher. Non, moi j'ai pas le temps, moi. Il faut que je fasse un max d'homicides de squelettes dans les mines. Moi, il faut que je me rue dans la mine et que je fasse un carnage dans les squelettes. Vite, niveau 75. C'est le meilleur pour les squelettes. Oh, je sais pas si je vais honorer la quête. Donc voilà, on termine notre semaine virtuelle jusqu'au dimanche. Donc je pense qu'on va jouer jusqu'à 20h15. Et évidemment, après, il y aura une grosse pause d'au moins 20 minutes dans le tableau mystère. Du coup, moi, je vais peut-être arrêter avant parce que je vais manger et puis préparer à partir. Mais, partir vers d'autres horizons, comment dire. C'est quoi cette grotte? J'ai pas une grotte normale, là. Je viens d'avoir un jeu de dés avec une combinaison hasardeuse. C'est pas la grotte à laquelle je m'attendais, là. Wow! Je me fais agresser par des crânes volants. Au secours, je me barre. C'est des squelettes que je veux, moi. Il s'est passé un truc, là. Je me demande si c'est pas mon masque qui provoque des trucs. Le port de mon masque mortuaire, là, il y a des trucs qui se produisent.
Vous allez voir que je vais approcher les vieux, dont le malheureux sur son fauteuil roulant. Avec le masque, je vais le tuer instantanément. C'est, on va vivre une scénette de décès instantané. Ça va être immonde. Et on le clipperait. Ah oui, ah oui. On est tellement sadique qu'on fait... Alors attends, je vais absolument tenter mon défi de crâneur, là. J'en suis à 42 sur 100. 43 sur 100, mais c'est impossible. Comment voulez-vous que j'ai le quota pour le dimanche soir? Et encore, c'est pas la seule condition, parce que j'ai pas lu la quête. Il faut peut-être déposer les nonos quelque part. Que dit la quête? Ah! Ce jeu qui rend fou! Stardew Valley! Extraordinaire! Oh, du bois dur! Oh. Si j'en ai l'occasion, je le rangerai dans un... Oh mon dieu, t'es avec moi! Je t'ai vu. Extraordinaire. Non mais c'est bien. C'est cool. Le premier qui trouve l'échelle de sortie a gagné. Le sous-sol. Je parle, évidemment. Mais c'est toi, mais c'est pas une pioche, moi j'en ai pas. Pas de bombe. J'ai la mienne, en construction. Non mais... T'es sérieux? Est-ce que cet homme est sérieux? Alors, attends, j'espère que tu cotises avec moi les squelettes, les nanos. Oui, oui, parce que c'est ensemble. D'accord, tu me rassures. Moi, tu m'as réussi à me faire bloquer. Je suis désolé. C'est pas grave. Reste pas planté là. Alors, ne jette pas tes... Attends, je suis troublé. Je suis... Attends, on va... Oh non, attends, on revient. Il faut des squelettes, donc il faut faire en boucle le niveau 60... je sais plus, merde. 75. Oui, 75. Oui. Ne jette pas tes fragments, parce que tes fragments, tu les as, il faudra qu'on se cotise ensemble, t'en as ramassé de moi, si je puis dire. C'est compliqué. Ouais. Que c'est beau. Ouais, je sais vite. Mais je te donnerai l'objet tout à l'heure, quand tu seras à la maison. D'accord. Merde. Ouh, mais ça, c'est beau. C'est le niveau des têtes volantes. Et ça tombe vraiment très 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 bien. Ah, ok. Oh merde. Ah, deux, je suis englué. On est efficace, hein. Non, c'est surtout que... Ah, j'ai pas une échelle. C'est ça, je me barre parce que les niveaux là m'intéressent pas. C'est des niveaux sans squelette. C'est rare là. Ouais, je l'ai prise. C'était une améthyste. C'est, ouais, les squelettes, ouais. Bonne sondage. Oh, charbon, très bien. Très très bonne prise. Ah, squelette. À deux, vaut mieux faire un donjon à deux que tout seul. Putain, j'ai encore gagné une épée en os. Oui, ouais, c'est sympa à deux. Franchement, ouais, la mine, ça prend que je l'ai fait à plusieurs. Le port de mon masque, oui, bien sûr, de Tuitsen. Il y a même un fantôme de B2. Arrive là. Il vient nous hanter, lui. Il vient nous hanter, mais ouais, chacun avec une bonne épée, là, il va prendre. Voilà, il a pris. Oh, le filon! Oh, le filon, oui, j'ai bien vu. Oh, c'est bon ça! Il y a eu un filon de charbon là aussi, j'ai vu. Très bien! Parce que le filon! C'est il n'y a rien du tout dans le squelette, il n'a rien donné. Ouais. Non, ah, il y a un autre. Il y a des vilains squelettes, ouais. Il y a un autre qui me balance des squelettes. Des os. Il y en a un. Oui, alors attends, tu peux libérer des cailloux. Voilà. Ouais, je t'ai protégé en même temps. Merci. Alors. C'est ça, on s'entraide, hein. Exactement. Ah, c'est de la jade. Ça, ah, de la jade. Ouais, ah bah, je reconnais tout de suite. Ah bah, j'en ai eu deux. Bien, c'est cool. Hop, la chauve-souris, elle meurt tout de suite. Merde, mon inventaire est plein. Donc, récupère ce que tu peux, mon inventaire est plein. C'est bon, j'ai récupéré. C'est bien, t'es un chef. Non, ah je ouais, sais. T'inquiète, j'ai de la place encore. Je suis en train de me dire, mais attends, je fais un raisonnement. Ah, c'est bien, tiens, j'ai pas de jade. Niveau 79, je provoque le 75. Et je ressors pour re-rentrer. Hop, tac, 75. C'est bien, tu suis le rythme, dragon, merci. Parce que je t'impose un rythme effréné, mais c'est bien. Tu mets... Ah, il n'y a pas de squelette. On est à je sais pas combien de fragments d'os, on y croit. Oh merde, il n'y a pas de squelette. On se barre. On descend au sous-sol suivant. Mais c'est pas vrai, mais ça recommence. Mais c'est... Eh, c'est ça, c'est tout le temps ça. Cette histoire de masque. Ah, j'ai englué. Ah. Ouais, ah, désolé.
Moi, je me barre là où il y a des squelettes. Là, des têtes volantes. Toi, tu peux plus récolter parce que toi t'es plein. Ah. Niveau suivant, enfin sous-sol suivant. Oh, je m'acharne à essayer de réaliser la quête, mais c'est dur. Elle est vraiment dure celle-là. Oui, attends, après le tonneau. Le tonneau qui avait du bois. Squelette 20 en l'air. Bien joué. Ah, squelette en bas. Je sais plus. On connaît déjà l'échelle pour les plus bas. Non, il n'y a pas. Oh, il y a des choses là-bas. Il y a des charbons qui dansent et un tonneau. Fouiller les sacs qui sont au sol. Oui, faut les éventrer. Il y a des gros gains, potentiel. Hein. Mais en général, il y a des gros gains dans les sacs éventrés. J'ai eu que du charbon. Pour oh merde. L'instant. Ah oui, bah c'est bien le charbon. Une poubelle. Pour l'échelle de sortie. Hein. Génial. Génial, génial. Pas d'ennemis plus bas, donc ça va. Ouais, ah merde, il y avait un filon, tant pis. On recommence. 75. Il est 18h50, on peut encore faire un tour. Bon, là, il n'y a pas de squelette. On passe. Merde, il y a le... Voilà. On passe. Ah, mais en fait, merde, il nous a remis strictement les mêmes niveaux. Mais non. Mais merde. Oui. Rajouter des squelettes, au moins. Oh, ça reprend pas vie quand on a le dos tourné. Mais c'est ridicule. Ah, voilà, là, ça a été régénéré. Et puis, généreusement, ce jeu est bizarre, quand même. Je crois que c'était une blague. Elle n'était pas drôle, mais c'était une blague. Ah. Voilà, mais c'est la richesse, regardez-moi ce niveau, c'est merveilleux. Ah, il y a un squelette qui nous attend, faut le patater. Sur la droite, je l'ai vu. Va mourir. Tiens, je sais même plus me diriger. Allez, merci, heureusement que t'es là, parce que... Je fais de la mouise. Ouais, si on prend l'autre sortie avec un peu de chance, ça correspond peut-être à un autre sous-sol. Un sous-sol 79 bis. Non, visiblement non. Mais les squelettes sont là, donc c'est pas perdu. Faudra qu'on regarde qu'on fasse le pointage au moment d'aller se coucher tout à l'heure. De, on en est combien au compteur des nonos. La sortie doit se trouver là. À peu près. L'espoir. Voilà, ah ouais, ce que je disais. C'est ce que je disais. Bien vu. On a... Avec la grenade, vous en. Oh, ouais, 77. Eh, hey, on est bon, Dragon Sky, on est bon. On est. Il bon, est 21h20, donc vous pouvez. Ouais, on se mangue les fesses, mais on joue bien, vraiment là. On se mangue les fesses. Chauve-souris, là il y a. Sinon, vous reprenez l'ascenseur, vous remontez 5 étages plus haut et vous refaites les mêmes étages. C'est exactement ce qu'on fait. C'est exactement ce qu'on est en train de faire et ça nous réussit. On est dans une dynamique de victoire de fou. Finalement, je crois que grâce à Dragon Sky, je vais toucher, la quête. Ouais. Merci. 22h. Alors, si tu penses te déconnecter, donne-moi tes fragments d'abord, hein, excuse-moi. Que... Ah ouais, oui, bien sûr. Sinon, là, je hurle. Je hurle à l'escroquerie. Et puis là, il y a Crash. C'est le jeu qui crash. Ah non, on prend pas la poisse. Ah non. Hein. Tiens, il y a des rubis que je peux même pas prendre. Oula. Le jeu me l'a fait, t'inquiète pas, je connais. Ouais, c'est terrible ça. C'est pour ça que je peux dire ça d'une manière très sarcastique. Ah, il y a de la jade. Ouais. Garde-les, les jades. Il faut garder toutes les jades, par contre. Oh, un squelette. Oh, alors, voilà. Ah, bien vu. C'est bien, fais-le.
J'ai zappé directement en bas, moi, déjà. Il faudra se coucher, il va être minuit, là. C'est notre dernier sous-sol, et puis on se barre. Surtout que j'ai quasiment plus de santé. J'ai pas vu, mais je suis en train de mourir, en fait. Je vais trop au contact de l'ennemi, moi. Je suis fou. Voilà. Inventaire plein, notre secret. Allez, on se barre, on rentre. Il y aura un petit trésor à trouver à côté de la gare, tout à l'heure. À côté de la gare... Ben on verra la non, je veux pas de crédit. Ah. Oh, oui, faut te donner un peu de ça. Effectivement, là-bas, je suis mis rentré dans la gare. Alors, tiens, hop, message. Qu'est-ce qu'il y a? Je vais te montrer, alors, tiens, la première chose. Ouais. Mais non, j'ai donné, tu m'as donné à moi. Mais ouais, mais tu t'es mis devant. Oui, et puis attends, mon inventaire est plein. La bonne blague. Attends. Attendez, c'est la panique à bord. C'est la panique. Non, c'est pas la panique. Vas-y, je vais la le récupérer. Attends, je me dis des poches. Oh, le minerai. On a pété un record. Attendez. J'ai donné les fragments d'os. Hein. Torota, t'as récupéré les fragments d'os. Hein. Pardon. Ouais, je t'ai donné les fragments d'os. Ouais. Alors, dites-moi. Moi, c'est le poisson que je voulais récupérer. Oui, attends. Je te donne d'abord le poisson. Le bordel. C'est le gros bordel. Ah, merci. Alors, tiens. Déjà, à quoi il ressemble? Voilà. C'est horrible. Bon, maintenant, je donne ça aux... Je donne les fragments d'os. Ah oui. Bon, le sage, maintenant, je te donne les fragments d'os. Merci. Pour... Oui, merci. Bien joué, Dragon. T'es le meilleur. Merci, merci. Mais non, j'ai donné et la ensuite... cape. Attends, je redonne la cape. La oh là cape. Oh merde! On s'est tous entendus! Oh c'est dégueulasse! Je suis en PLS au pied de mon lit! Oh c'est horrible! Non! Oh si si, on va tous finir à l'hosto! Ouais! Voilà. Comme ça finit! Tout le monde a perdu connaissance! Oh merde! Oh merde! On est nuls! Faudra faire un clip! Faudra faire un clip quasiment! Ça, je me ferai une joie de vous le faire. Un clip ou un temps fort hein. Non, pas un temps fort. Mais un oui, clip, un petit clip, oui. Plutôt à l'hospice, ouais. Oh. Ouais, ma piège de cuivre. Alors. Maintenant. Oh, merde. Maintenant, on est le matin, je vais pouvoir te donner la deuxième chose. Et... Ouais, je veux bien, mais. Mais qu'est-ce c'était alors, évident que veux... ça allait arriver, ça. Un objet ultra compliqué à avoir. Nom de Dieu. Oui. Ouais, mais c'est le tien. Dans la maison, on va pas faire attention autant. Mais... Tu... En fait, ça, il faut le mettre dans le poulailler. Non. Et ça va te... C'est si, je suis sérieux. Le dernier dinosaure. Oh non. Mais c'est fou, ce on jeu va se est les fou. Faire reproduire. Ce jeu est fou. Mon dieu. À part on a même pas fait, dinos, on a même pas fait gaffe au temps et puis on s'est fait tous avoir, tous les trois. Ah oui, ah oui, non, mais c'est complètement craqué. Il va falloir que j'augmente la taille de la grange aussi, du poulailler. Ah bah, tu peux tout augmenter si on reçoit un des dinos maintenant. Putain, ça va devenir Jurassic Park. Ça coûte 500 pièces hein, quand c'est 20. Ah, je quitte. Je quittais, oui. Bonne app. Moi, je vais tout de suite parce que. Vu l'heure qu'il est, il est 8h. Ouais. Merci d'avoir joué. Bisous, les copains. Voilà, je vais couper là. On va faire le tableau mystère. On reprendra plus tard. Bon, voilà, je sauvegarde pas la partie du jour, hein, présent. Oui, oui, voilà. Ouais. Merci, merci. Alors, je vais regarder les... Ouais, l'hospice, ouais, bien vu. Ah bah c'est bien, j'ai mes icônes qui apparaissent des Sherlock Holmes. Ah bah tiens, à l'instant, mon deuxième Sherlock Holmes qui vient de s'installer. C'est beau. Vous venez de le voir en direct. Extraordinaire, j'ai pas fait exprès. Alors, tableau mystère. Bon, ben moi je vous souhaite bonne soirée, et puis à la prochaine. Merci à toi aussi, Dragon, c'était génial. Bonne continuation, à plus, merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao.